Bienvenue à cette huitième séance donc, du séminaire Recherche, Art et Pratique Numérique. Elle succède à une séance qu'on a consacrée aux algorithmes, aux Android, aux robots, avec France Cadet et Angélique Halim le mois dernier, donc, et qu'on consacre aux bots et aux algorithmes aujourd'hui. Alors, je vais présenter les deux intervenants. Et puis je modérerai un petit peu le débat ensuite. Alors Dominique Cardon est sociologue, professeur à Sciences Po Media Lab, auparavant membre du centre de recherche Orange Lab et professeur associé à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Il est également toujours membre affilié, je crois, au centre d'études des mouvements sociaux de l'EHESS. En tout cas, oui, c'est Internet qui raconte tout ça. Ses recherches portent sur les transformations contemporaines de l'espace public, notamment sur les infrastructures de médiation offertes par les nouvelles technologies, sur le rôle de la critique dans le débat public, ainsi que sur les techniques d'individuation et de participation à la production d'expression publique. Alors on peut retenir, enfin j'ai retenu trois ouvrages qui ont fait date, La démocratie Internet, Promesses et limites, au Seuil en 2010 dans la collection La République des idées. Un autre ouvrage important pour nous aussi, ici qui croisons Recherche, Art et Pratique numérique, l'ouvrage que tu as partagé avec Fabien Grandjean, médiactiviste aux presses de Sciences Po, en 2010 aussi, je crois. Et puis enfin, le dernier, enfin peut-être pas le dernier, parce qu'il y en a eu un nouveau sur le Téléthon, j'ai vu, mais « À quoi rêvent les algorithmes? Nos vies à l'heure des big data », donc au Seuil, toujours la République des idées, en 2015. Et puis ensuite, on entendra Francis Château-Renaud, qui est également sociologue, ou socio-anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, où il a fondé le groupe de sociologie pragmatique et réflexive, le GSPR, et qui est co-concepteur avec l'informaticien Jean-Pierre Chariot de logiciels scientifiques au service de la sociologie des alertes et des controverses, notamment Prospero, et Marlowe, donc un sociologue électronique capable de mener des enquêtes sur les corpus rassemblés par les chercheurs en sciences sociales, capable de dialoguer donc avec les chercheurs également. Et là aussi, j'ai retenu trois ouvrages. Le premier qui a beaucoup compté avec Christian Bessy, expert et faussaire pour une sociologie de la perception, où il développe la notion de prise, on pourra y revenir, notamment avec Didier Torny, Les sombres précurseurs, une sociologie pragmatique de l'alerte et du risque. On questionnera sans doute la figure du lanceur d'alerte aussi. Et puis le troisième, Prospero, donc une technologie littéraire pour les sciences humaines au CNRS en 2003. Alors ce qu'on va faire, comme d'habitude, c'est qu'on va les écouter chacun durant 30-35 minutes. Et puis ensuite, donc, on fera une courte pause et on laissera la place au débat ici durant 1h, 1h15 à peu près. C'est un plaisir d'être là et de discuter aussi avec Francis là, de toutes ces questions. Donc moi, je vais prendre mon temps de parole pour faire une tentative de caractérisation de ce que j'ai cherché à faire et que je continue à faire sur les algorithmes du web. Donc c'est pas les algorithmes pour les chercheurs ou pour la science ou pour l'exploration, c'est les algorithmes des services du web qui sont en jeu dans ce mouvement. Et il me semble, d'avoir beaucoup étudié les mesures d'audience, le PageRank de Google, les techniques de mesure de viralité, et différents artefacts de calcul qui sont présents dans l'économie du web, on pourrait dessiner une sorte de mouvement d'ensemble, hein, alors qui est à la fois une histoire, enfin qui est à la fois une narration chronologique, mais en même temps qui ne l'est pas complètement. C'est que d'une certaine manière, le web a été rangé, le web des années 90 a été classé par son artefact maître, qui était le PageRank de Google et les systèmes de classement proposés sur le mode, alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais de l'autorité, de compter les liens hypertextes pour calculer l'autorité de l'information sur le web. Et que ça a posé une sorte de machinerie très très forte sur le web. Ça a domestiqué les internautes, l'écriture des webmestres, ça a organisé à un point qu'on imagine à peine toute l'économie de l'écriture numérique. Alors c'est un mouvement de machinerie, voilà, on a posé une machine sur les productions des internautes pour les calculer avec une mesure qui est une mesure dont on pourrait faire toute l'histoire, mais qui est celle du Citation Index de Garfield, hein, donc qui est vraiment de calculer l'autorité par la citation. Et puis on pourrait dire qu'à partir de 2005, il y a ce mouvement de la
machinerie est devenue un mouvement de dispersion et que dans l'organisation de l'information numérique, l'arrivée du web social a créé tous ces écosystèmes de niches calculées que sont Facebook, Twitter, etc. pour disperser des écosystèmes informationnels que les internautes ont construits à travers leur réseau relationnel. Alors j'entre pas dans ce mouvement parce qu'il me semble que ce mouvement machinerie-dispersion a un troisième temps qui est le temps sur lequel je voudrais gloser aujourd'hui, qu'on pourrait appeler enfouissement du calculateur dans les traces des comportements des utilisateurs. Et donc vous voyez une sorte de mouvement, c'est que finalement le web était calculé par le haut, par cette immense machine qui est le Google Score. Puis ça s'est complètement diffracté avec la massification des usages et les pratiques des réseaux sociaux, ça s'est dispersé. Et puis d'une certaine manière, il y a une sorte de reprise par le bas qui a lieu aujourd'hui, qui sont les calculs que je vais appeler prédictifs. Et du coup, le topo que je voudrais faire, c'est sur ces mondes de la prédiction dans les services numériques. Et je voudrais essayer de les caractériser. Alors, il y a plein de propriétés qui sont au cœur de cette affaire. Je vais aller vite parce que j'avais prévu un peu plus long, donc je vais garder du temps à la discussion. Il y a d'abord une extension de la capture de données, c'est-à-dire que le monde numérique est devenu une infrastructure d'enregistreurs, de capteurs, et qui va bien au-delà maintenant du web en tant que tel, hein, avec les traces numériques, les objets, etc. Deuxième caractéristiques, ce sont des données comportementales. Alors, j'ai beaucoup y insisté tout à l'heure, mais la caractéristique comportementale des données de ce paradigme prédiction-enfouissement me semble centrale. Bon, c'est associé à tout ce vocable que vous connaissez sur les big data, dont on peut tirer quelques propriétés, qui est l'idée, enfin en tout cas la promesse, pas toujours réalisée, j'y reviendrai, qu'on peut produire des prédictions à partir de bases de données très hétérogènes, hein, et qu'on peut connecter des bases de données qui sont issues d'univers hétérogènes. Il y a une autre propriété qui me semble au moins intéressante dans tout la glose sur la big data, qui est c'est un traitement, un calcul qui se fait en temps réel. Hein, et alors là, par rapport aux travaux des chercheurs ou par rapport à énormément de calculs qui ont été faits sur les données numériques, c'est complètement différent d'installer une boucle temps réel pour que le calcul redonne à l'utilisateur son information. Et puis, c'est une propriété, là je simplifie énormément, mais dans le paradigme là, que j'essaye la petite nébuleuse que j'essaye de constituer comme objet, il y a une méthode statistique qui est dominante. Elle n'est pas exclusive, de très très loin, mais qui sont les techniques dites d'apprentissage de machine learning. Alors on pourrait faire tout de suite un constat critique sur tout ce que je viens de dire. C'est que, extension de la capture des données, oui, mais c'est quand même troué de partout, hein, c'est-à-dire qu'il manque plein de données dans cette promesse faite par les big data. Des données comportementales, mais elles sont en fait très très approximatives et souvent pleines d'effets de réflexivité sur les comportements, je reviendrai là-dessus. Hétérogénéité des bases de données, ça c'est ce que disent les gens qui nous amont ces big data. En réalité, les données sont très peu accessibles, contrairement à ce qui est dit, et arriver à croiser des données hétérogènes, c'est un calvaire très très difficile à faire, même s'il y a des opérateurs extrêmement puissants qui y parviennent, mais justement la question de leur position dominante est très centrale dans leur capacité à le faire. Le traitement en temps réel est lui aussi extrêmement difficile à faire et réservé à quelques-uns, hein, dans le monde numérique. Et puis quand on dit méthode d'apprentissage, je caricature aussi parce que c'est en fait beaucoup plus varié dans les techniques qui sont mises en place. Mais je voudrais quand même faire un sac avec ces caractéristiques pour le décrire comme un monde de la prédiction personnalisée, c'est-à-dire une sorte d'horizon, hein, une sorte de promesse qu'on pourrait essayer de décrypter comme étant les choses que à la fois les prophètes, les consultants, mais aussi les technologues et puis beaucoup de discours publics essayent de faire avancer comme étant la forme du calcul numérique, des calculs qui avancent aujourd'hui, même si les réalisations effectives sont partielles, ponctuelles et spécialisées. Alors ce qui est très surprenant, c'est que vous allez voir, Pierre, je renverrai la balle à Francis, la constitution de ce monde est aujourd'hui réassociée au terme intelligence artificielle, qui vient d'une certaine manière réenglober des choses en fait qui sont absolument partielles dans leur calcul et qui n'arrivent jamais à être, en tout cas, cette chose qui serait multicontextuelle, qu'on fait résonner avec l'idée d'intelligence artificielle telle qu'elle est entendue de façon sommaire. Donc il n'y a pas d'assemblage global, mais il y a plein de choses locales qui ont lieu. Alors, le premier point sur lequel je voudrais venir, c'est celui de ce tournant
vers l'enfouissement des calculs et d'essayer d'en dégager quelques aspects, et notamment vers l'idée que ce qui est visé par ces nouvelles techniques algorithmiques, c'est la prédiction personnalisée. Et donc, on va travailler quelque chose de très central, qui est l'environnement de l'utilisateur, et en se centrant très, très fortement sur l'idée qu'on ne produit pas un calcul central pour avoir une représentation globale d'un état, d'un corpus ou d'une base de données statistiques, mais on cherche à donner à chacun un environnement dans lequel il va ensuite faire des choix, ou en tout cas orienter son action dans un environnement qui a été calculé. J'y reviendrai, mais ce qui me semble très central dans le dispositif actuel et très intriguant dans les débats après sur le type de gouvernementalité ou de pouvoir qui s'exerce à travers ce domaine, c'est qu'en fait, le sujet de cette affaire est moins l'individu que l'environnement informationnel dans lequel il va ensuite produire un certain nombre d'actions, de décisions, d'engagement dans ces structures. Je vais vite. La deuxième propriété, c'est que là aussi, en forçant les choses, moi je me suis beaucoup intéressé en tout cas à une sorte de tournant behavioriste dans les data science qui a eu lieu à partir de 2012-2013 et qui est très 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 fort, avec cette idée qu'on va opposer la vérité des, avec des guillemets bien sûr, des données comportementales à l'imprécision des données représentationnelles. Et ça, c'est très présent chez beaucoup des gens les plus sérieux, en tout cas, me semble-t-il, dans les travaux qui sont menés sur les big data, avec deux arguments. Le premier, c'est contre l'intuitivisme. Alors on va retrouver toute une série d'arguments très très fréquents, qui est l'idée que le jugement humain est extrêmement faillible et qui produit des intuitions et des prédictions et des propositions sur l'avenir et des assertions qui sont erronées. Et donc on pourrait mieux calculer si précisément on faisait l'économie du jugement humain. Alors j'insiste pas là-dessus, vous connaissez ça, mais c'est incroyablement présent chez quelqu'un qui s'appelle Jan Ayers, par exemple, qui a beaucoup théorisé là-dessus. Et puis surtout chez Alex Pentland, hein, qui est un peu le gourou de cet univers-là, qui est un physicien qui fait de la sociologie et qui a beaucoup développé ses idées. On peut mieux calculer les bons vins avec de l'hygrométrie, de la météo, des capteurs dans la Terre, etc., que ne le fait Robert Parker. On peut calculer les décisions de la Cour suprême à partir des corpus de documents. On peut faire des diagnostics médicaux qui seront plus précis que les médecins qui font des erreurs de jugement, d'évaluation, etc. Et tout ce discours, évidemment, s'appuie très très fortement, et là il y a une convergence incroyable des références et des théories, sur la psychologie expérimentale et l'économie expérimentale de Kahneman et Tversky, hein, qui sont vraiment au centre de cette affaire. Il y a une faiblesse ou une faillite du jugement des individus, de leur subjectivité, de leur rationalité. Les gens font des erreurs de jugement, aversion pour la perte, surestimation des probabilités faibles, sous-estimation des probabilités fortes, biais de confirmation, prédilection pour des causalités stéréotypiques, préférence pour la familiarité, effet de science. Enfin, tous les effets de Tversky-Kahneman sont réintroduits comme étant des problèmes avec le type de données qui seraient des données représentationnelles produites par les individus. Et il faudrait donc trouver d'autres types de données. Alors ça joue un rôle très central dans l'histoire, enfin dans le mouvement actuel sur les données du web. C'est que du coup, tous ces statuts Facebook, tous ces tweets, toutes ces expressions subjectives des individus sont invalidées par le modèle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens produisent des opinions, des représentations, toute une série de jugements et d'évaluations, mais finalement, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits pour essayer de calculer à partir de ça, on ne prédit pas grand-chose à partir de ces affaires, en tout cas dans l'orientation qui est donnée par ces travaux. Et ce que vient dire Alex Pentland, c'est qu'il ne faut pas prendre les représentations numérique produite par les sujets sur le web social, dans le monde de la dispersion, mais que on pourrait faire une nouvelle science de la diffusion des idées et des innovations, hein, ce qui est la théorie de Pentland, à partir des interactions entre les individus. Mais les interactions, c'est juste des traces de comportement. Hein, et donc, c'est principalement des enregistrements d'achat, des vitesses de lecture sur une liseuse Amazon. Et puis pour Pentland, beaucoup, c'était un badge qui fait porter sur les personnes et un badge qui mesure la distance proximale entre les personnes. Donc c'est une analyse de l'interaction et vraiment, il défend l'idée qu'il fait une sorte de physique mathématique des interactions entre les individus. Mais évidemment, c'est juste la distance proximale et l'orientation corporelle entre deux individus
qui fait l'objet de calcul, mais avec évidemment des données qui sont extrêmement nombreuses et massives. Bon, alors, cette computational theory of behavior, qui est la théorie, c'est reality mining. On fouille la réalité, hein, c'est ça, on fouille le réel, mais fouiller le réel en prélèvant des traces de comportement qui soient très en deçà des activités intentionnelles, représentationnelles, discursives des acteurs, mais beaucoup plus dans l'enregistrement des comportements. Alors ces gens ont toute une série d'arguments, mais là je suis en train déjà perdre mon temps, pour dire que ben, quand on demande aux gens s'ils regardent Arte, il y en a 20% qui disent oui, mais quand on regarde l'audience d'Arte, il n'y en a que 1,5%. Donc ce qu'il faut calculer, c'est ce qu'ils ont fait, hein, de façon typique. Et souligne Pentland, il faut du coup aller sous les catégories, parce que le problème, c'est qu'évidemment, les gens ont des représentations, ils s'identifient à des catégories, à des représentations, et je cite Pentland, de ce point de vue, des labels politiques ou économiques comme bourgeoisie, classe ouvrière, démocrate ou républicain sont souvent des stéréotypes inadaptés de groupes de personnes qui connaissent en fait des variations beaucoup plus larges de leurs caractéristiques individuelles ou de leurs désirs. Alors, ce qui est très fascinant dans ces travaux, c'est qu'on retrouve aussi toute une des choses qui ont nourri en sociologie le tournant interactionniste, c'est-à-dire l'idée qu'il faut aller descendre en dessous de représentations trop grossières ou trop globales de l'espace des représentations catégorielles des individus pour arriver à pister des choses qui seraient plus fines et que nous donneraient les calculs. Et Pentland en fait même un projet politique. Hein. Alors je ne résiste pas à cette citation un peu longue. Nous décrivons trop souvent la société comme une compétition continue et catégorisons les individus principalement par leur classe ou leur position sur le marché. Nous pensons les personnes comme étant un millénium à la mode, un baby-boomer haut de gamme ou un républicain blanc. Cette façon de penser conduit naturellement à produire des stéréotypes et à survaloriser les caractéristiques facilement mesurables, telles que l'argent et la célébrité. Elle conduit à populariser une culture du gagnant qui emporte tout, winner takes all, un capitalisme agressif et des gouvernements qui comptent trop sur la concurrence et les incitations du marché pour gérer la société. Disposer d'une science mathématique prédictive de la société qui comprend à la fois les différences individuelles et les relations entre les individus a le potentiel de changer radicalement la manière dont les responsables gouvernementaux, les gestionnaires de l'industrie et les citoyens pensent et agissent. Donc on voit bien tout le projet d'une sorte de gouvernement par les données qui calculerait les possibilités d'action des individus depuis les simples traces comportementales qui auraient été enregistrées. Et puis dans ce tournant vers l'enfouissement du calculateur, enfin, métaphoriquement, on pourrait appeler enfouissement du calculateur, il y a un tournant dans les manières de calculer. Alors là, je pourrais être très long, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais je vais essayer juste de vous donner trois exemples de ce type-là, et qui ont tous comme composante, mais j'y reviendrai, c'est l'idée que entre l'infrastructure numérique et l'utilisateur, il y a quelque chose qui est constitué et qui est calculé et qui est en fait la cible directe du calcul. C'est cet environnement informationnel qu'il faut façonner et personnaliser pour les individus en leur faisant des recommandations, des notifications, des calculs qui soient liés directement aux traces numériques dont on dispose sur l'individu. Alors, trois exemples de ce tournant assez typique. Hein. Alors, d'abord, dans les algorithmes célèbres du web, et pour le PageRank de Google et pour le fil d'actualité de Facebook, les calculs qui étaient d'abord faits avec des modèles, on pourrait dire à règle, hein, c'est-à-dire on considère que dans le lien hypertexte, il y a une information qui est de l'autorité, et on va mesurer l'autorité avec un système de algorithmique. Google avait construit un ordre d'abord central, univoque pour tous. On calculait de l'information qui avait été produite par les internautes, et puis on la rangeait avec le système de classement. De plus en plus, l'algorithme, alors ce système-là reste central aujourd'hui, toujours, quoi qu'en dise beaucoup, mais on y intègre des données qui viennent des traces de l'utilisateur, et notamment le lien sur lequel il a cliqué, qui devient une information, et donc on voit bien la boucle se mettre en place, une information comportementale, est-ce que j'ai préféré le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième lien, qui va servir à transformer le modèle, soit pour l'ensemble des internautes qui font le même mot-clé, soit pour personnaliser le type de centre d'intérêt qu'a l'utilisateur en fonction du lien qu'il a cliqué dans l'affaire. Donc on intègre dans le calcul une boucle comportementale
sur l'utilisateur. Google a commencé à le faire en 2008, ça devient très central, et la personne qui avait inventé le PageRank, qui s'appelle Amit Singhal, a quitté Google l'année dernière, et il a quitté parce qu'il ne tenait plus sa machine. Lui, il voulait la tenir par le haut, hein, avec les calculs d'autorité, mais les gens de l'intelligence artificielle et du machine learning sont venus se substituer à lui, et Amit Singhal, qui est, on pourrait dire, le père historique du PageRank, est parti faire de la philanthropie en Inde, comme tout bon milliardaire de la Silicon Valley. Deuxième exemple, on pourrait dire la même chose de Facebook. Hein. Facebook calcule une trace qui est très centrale, qui est le temps de scroll de l'individu sur sa page Facebook. Donc en fait, il avait bien un système de règles, qu'on appelle le taux d'engagement, interagir le plus possible avec les amis, et donc valoriser les contenus informationnels avec des amis avec lesquels on a interagi. Mais il y ajoute une boucle comportementale qui est de calculer le temps qu'on passe à scroller la page, qui devient l'objectif de la supervision de la technique d'apprentissage qui est mise en place. Deuxième type de dispositif typique de ça, qui est dans le marché publicitaire, ce qu'on appelle le programmatique. Donc le programmatique, c'est un système dans lequel on ne vend plus aux annonceurs des publics catégorisés par des segments, ce qui était la forme catégorielle du marketing traditionnel. Mais au moment où vous cliquez sur une page, le cookie des traces de vos navigations est envoyé à une enchère automatique qui compare votre trace, qui met aux enchères cette trace entre des annonceurs, qui la compare à leur base de données de traces d'autres navigations d'utilisateurs, qui fixe une enchère sur la bannière publicitaire, et la bannière s'affiche sur la page des individus. Ça dure quelques millièmes de seconde. Hein. Mais la compétition est faite entre des traces de navigation pour lesquelles, en fait, l'algorithme ne se sert ni, d'abord, il ne connaît pas, de votre nom, de votre âge, de votre sexe, de votre profession, de votre niveau de revenu, de toutes ces catégories de la segmentation marketing. Il se sert uniquement du comportement et de la trace de comportement sur les personnes. Et puis, on pourrait dire, il y a un troisième dispositif dont on parle beaucoup, qui est en fait dont on parle, mais qui en réalité n'est pas grand-chose, pour l'instant en tout cas, qui est Pay As You Drive, qui est le système place des assureurs. Pour l'instant, il n'indexe pas sur la prime, contrairement à ce qui est entendu partout, qui est de mettre un capteur sous la voiture, hein, et d'indexer le calcul de la prime d'assurance à la conduite de l'automobiliste. C'est plus les variables actuarielles classiques de l'assureur sur les risques, et notamment l'âge, hein, qui est la variable principale pour la prime voiture, mais ça va être est-ce qu'il freine brusquement, est-ce qu'il freine pas brusquement, quelle vitesse. Donc on va faire des calculs sur le type de conduite, donc une trace comportementale qui vient régler un calcul. Alors moi, il me semble que c'est quelques exemples vraiment décrits rapidement. Ils ont comme beaucoup de propriétés, mais dont une qui est intrigante, c'est qu'on ne cherche pas à contraindre l'utilisateur en lui imposant un calcul qui viendrait de l'extérieur, hein, enfin, en tout cas lui imposer un programme qui serait dans le calculateur, ce qui était le cas du PageRank initial, ce qui était le cas du taux d'engagement de Facebook, mais on installe une sorte de boucle qui prétend calculer l'utilisateur, mais d'une certaine manière depuis ses propres conduites. Donc il y a un effet très très original dans ce dispositif, c'est que d'une certaine manière l'utilisateur est responsable des données qui vont le calculer. Et donc l'installation de cette boucle internalise d'une certaine manière la production de la règle de calcul à l'intérieur même des données, avec une prétendue, alors ça fait l'objet de plein de débats, mais je vais rentrer là-dedans, minimisation des hypothèses initiales qui auraient été faites par le programme des ingénieurs qui fabriquent le système. Le système va, d'une certaine manière, réviser son propre programme en fonction des traces que lui ont données l'utilisateur, et on peut faire de ça deux lectures, et c'est les deux choses que je voudrais faire. On peut faire une lecture politique, interprétative, hein, qui est de dire c'est typiquement néolibéral, hein, c'est-à-dire que c'est l'individu est rendu responsable des choix qui vont le calculer, hein, c'est-à-dire que ces traces sont mises en place. Alors, je vais y venir, mais juste un tout petit peu. Et puis l'autre lecture qu'on peut faire, et qui m'intéresse plus moi, qui est une transformation dans les paradigmes statistiques qui sont mis en place par cette configuration, qui est un régime de calculabilité qui me semble être, alors qui est historiquement pas du tout nouveau si on veut en refaire l'histoire, mais dont les potentialités liées aux transformations des traces numériques et des capacités de calcul, cartes graphiques, etc., rendent possible une aventure, enfin une hypothèse statistique formulée il y a longtemps, mais la rendent désormais possible, et c'est le régime qui me semble intéressant. Alors si je m'intéresse à cette histoire de nouvelle gouvernementalité algorithmique, je voudrais juste lancer un tout petit truc pour le débat, enfin en tout cas moi deux choses qui me semblent intéressantes, qui est
quel est le genre de pouvoir qu'exerce ces nouveaux dispositifs sur les individus, et il me semble qu'on commet souvent des erreurs ou beaucoup d'approximations, en tout cas d'exagérations, qui du coup ne permettent plus de mettre en place une réflexion critique suffisante, enfin pertinente sur ces affaires, en faisant des dispositifs disciplinaires d'aliénation. Hein, c'est-à-dire que, et on sent quand même que dans tout le débat sur les algorithmes aujourd'hui, il y a quand même cette idée absolument constante finalement on est face à un pouvoir central, Orwell, etc., et puis qu'on vient d'une certaine manière mettre comme point d'application de la prescription l'individu, sa subjectivité, le contrôle des informations, les contraintes, la censure, enfin tous ces thèmes qui viennent se glisser dans l'idée d'un contrôle disciplinaire sur les individus à travers cette nouvelle forme de gouvernementalité algorithmique. Alors, on pourrait dire, et moi c'est le jeu un peu drôle que je trouve intéressant de faire, c'est qu'on peut faire jouer Foucault contre Foucault dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que beaucoup de références au modèle disciplinaire sont évidemment issues du Foucault, on pourrait dire surveiller et punir. Mais il y a des cours, moi, que j'avais jamais lus. Hein, donc voilà, en fait, c'est peut-être un effet de découverte. Mais les cours Foucault 77-79, Sécurité, territoire, population et naissance de la biopolitique, dessinent, et Foucault joue contre lui-même, il le dit explicitement, je me suis trompé. Hein, c'est pas contrôle, discipline, c'est un couple environnement-utilité. Hein, et donc tout le couple environnement-utilité va devenir ce qu'il appelle les populations, biopouvoirs, etc. Mais qui va vraiment développer sur toute la partie d'analyse acritique. Hein, il faut quand même la lecture acritique du néolibéralisme, on est en 79, du néolibéralisme allemand et américain, dans lequel ce que cherche à dessiner Foucault, c'est vraiment cette idée d'un mode d'action des plateformes, non pas sur les joueurs, donc pas d'emprise sur le sujet, mais véritablement sur l'environnement, hein, et d'où le rôle de la statistique, d'où le rôle du marché, ce couplage ou cette articulation entre l'environnement et les sujets, on pourrait dire, c'est un simple rapport d'utilité, d'où toute la fascination pour l'utilitarisme anglais qui est absolument manifeste dans l'essence de la biopolitique. Donc ce qui articule des sujets dont on ne cherche pas à domestiquer la subjectivité et les environnements qui ont été produits, façonnés, gouvernés par le pouvoir, c'est un rapport d'utilité qui est rendu au sujet. Et donc il me semble que si on veut décrire le pouvoir qu'exercent les plateformes aujourd'hui, le genre d'adhérence ambivalente qu'elles ne cessent d'exercer, même sur les gens qui sont les plus critiques à leur égard, cette idée que ça rend service, que c'est juste efficace, que juste ça marche, que on sait bien, mais quand même, on va continuer à utiliser Facebook, Twitter, Google, etc. est assez typique du genre d'ambivalence qui est aujourd'hui central. Mais j'insiste pas là-dessus, parce que mon point, c'est plutôt le point sur la transformation du régime statistique qui est derrière. Et moi, il me semble qu'il y a... Pour le dire, Yann Hacking utilise beaucoup cette expression, et je trouve très juste de dire il y a des changements du style de raisonnement statistique, et qu'on a affaire à un changement de style de raisonnement statistique dans cette affaire, dont une des caractéristiques est méthode d'apprentissage, sachant que là je vais être caricatural, mais Francis saura me reprendre tout à l'heure, sur le fait que les méthodes d'apprentissage sont hyper variées, il y a des familles extraordinairement différentes dans cette affaire, et c'est une histoire qui est compliquée, du coup je vais la décomposer comme ça, parce que c'est une histoire qui est en partie associé au thème de l'intelligence artificielle, mais pas que. Et surtout qu'il y a deux composantes. On pourrait dire une histoire informatique et une histoire statistique. Alors l'histoire informatique, elle est extrêmement compliquée. Je vais juste en dire trois mots caricaturaux. Hein, c'est-à-dire que quand on la regarde très très loin, c'est-à-dire qu'on écrase complètement la variété des projets, etc., on peut dire que cette histoire d'intelligence artificielle, c'est né trois fois, c'est mort deux fois. Et ça réapparaît aujourd'hui, c'était apparu avec la cybernétique dans les 50, ça a eu un retour très fort dans les années 80 avec ce qu'on appelait système expert, hein, et l'idée du système expert était de dire que l'automate computationnel allait maîtriser et apprendre des règles symboliques, hein, ou en partie grandement symboliques, c'est-à-dire interprétables ou lisibles par un humain, reproduisant
ce que l'on pense être, la manière dont on explicite à nous-mêmes les formes du raisonnement naturel, terme très fréquemment employé dans ces dispositifs, et que dans ces cas-là, si on apprend l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, des ontologies et des dictionnaires, donc un système très très étagé de règles, à un automate, et qu'on lui apprend une translation de la langue A à la langue B. En fait, la réalité de ces systèmes, c'est que c'était la langue A vers l'anglais et de l'anglais vers la langue B, toujours. Mais si on leur apprend des systèmes de transfert de règles symboliques, on va pouvoir traduire automatiquement. Alors ce truc n'a jamais très bien marché, on pourrait dire. Même, on pourrait dire que c'est entré en crise très grave dans les années 90. Tout le monde... Et même les critiques ont été multiples, nombreuses, et d'une certaine manière, ce projet a véritablement échoué, même en termes de financement, projet de recherche. C'est un paradigme qui rentre dans le mur, et qui rentre dans le mur avec beaucoup de variables d'interprétation et de critique. Mais une des critiques fortes qui était faite par beaucoup de gens, mais on pourrait dire les critiques à la Varela, par exemple, qui était de dire ce qu'on n'arrive pas à mettre dans la machine, c'est justement la variété des contextes. Et qu'il y a une pluralité, une polyphonie du réel qui est si forte que... Alors ça peut marcher pour jouer aux échecs ou au go, mais évidemment la vie sociale, ça ne ressemble pas à une partie d'échecs ou une partie de go, c'est qu'il y a de la variation, il y a de la polysémie, il y a de la multiplicité, et que cette multiplicité, on n'arrive pas à la mettre dans les règles, parce qu'il faudrait constamment ajouter des règles qui sont de plus en plus tacites, implicites, et qui rendent le projet complètement impossible de constitution d'un corps de règles, même si les machines apprennent évidemment leurs propres règles. Dans les années 90, c'est arrivé un paradigme qui existait depuis longtemps, mais prenons l'exemple de la traduction automatique mise en place par IBM puis par Google, qui est dire on bazarde les règles dans les calculateurs. Et à la place, on fait des statistiques massives. Et on arrête d'apprendre au traducteur la syntaxe, les ontologies, la grammaire, etc. Mais il va faire la comparaison mot à mot, deux mots par deux mots, trois mots par trois mots, sur des textes traduits massifs. Donc en fait, on substitue aux règles des données. Et les données, c'est des contextes. C'est-à-dire qu'on fait entrer dans la machine toute une série d'événements statistiques qui montre la variété des contextes de traduction le plus nombreux possible, et on fait des scores probabilistes pour trouver la meilleure association de trois mots, quatre mots, cinq mots, de ce type-là. Et tout d'un coup, on a débloqué la traduction automatique, qui est toujours très très mauvaise, mais qui a quand même fait des progrès assez considérables avec ce genre de système. Et donc, on introduit aujourd'hui, réappelé sous la forme d'intelligence artificielle, quelque chose qui est quand même massivement statistique en réalité, Et dans l'esprit qui est mené. Bon, alors ça, je n'entre pas trop dans ce débat. Alors, enfin, sauf pour dire, mais peut-être qu'on en redébattra tout à l'heure, que c'est très fortement poussé aujourd'hui par une partie des techniques d'apprentissage, mais qui est une partie très singulière, mais qui aujourd'hui devient complètement centrale dans les discours et très inquiétante pour tous les chercheurs qui ne la faisaient pas dans les laboratoires, qu'on appelle réseau de neurones, donc... deep learning, qui a une histoire ancienne, qui a été, je le dis, ça m'amuse toujours, que les gens de la seconde intelligence artificielle, je pense à un livre de Papert et Minsky, qui était entièrement consacré à la critique du perceptron de Rosenblatt. Le perceptron, c'est le premier réseau de neurones multicouches qui date de 59. Et pour dire que ça ne pouvait pas marcher, cette affaire. Et donc, ces gens qui ont, d'une certaine manière, été mis de côté par l'intelligence artificielle symbolique sont aujourd'hui en train de regagner la troisième manche et du coup, d'expliquer aux autres qu'ils vont désormais régler les problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler avec leur système plus symboliquement. C'est complètement caricatural, mais Francis me reprendra sur tous ces points. L'autre composante de l'histoire, moi, qui me fascine en fait plus, c'est l'histoire statistique de cette affaire. Parce que dans les techniques d'apprentissage sont fréquemment mises en place, mais pas exclusivement de loin, mais un mode de raisonnement qu'on peut appeler... C'est aussi un peu rapide de le dire, mais en même temps, ça a été tellement structurant dans l'histoire de la statistique que les statisticiens s'y réfèrent constamment. Raisonnement bayésien. Donc,
théorème de Bayes, 17e siècle, repris en fait par Laplace, et forme du raisonnement statistique qui a été, on pourrait dire, relégué lui aussi par l'apparition de la statistique fréquentiste au 19e siècle, centrale, etc., avec ce débat classique, qui est peut-être un faux débat, mais entre fréquentiste et bayésien. Et qu'est-ce qui pose problème dans le raisonnement bayésien? Enfin, qu'est-ce qui pose problème aux fréquentistes dans le raisonnement bayésien? Fischer, par exemple, a écrit des textes très violents contre le raisonnement bayésien, parce qu'on pose une probabilité subjective, qui est la prieure du raisonnement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si un événement va arriver, mais on va lui mettre un taux de probabilité qu'on va réviser en fonction d'événements ultérieurs qui viennent le corriger. Et donc, très simple et très élégant, en fait, le théorème de Bayes, c'est de dire que ce qui va arriver va modifier la probabilité qu'on a fait. Alors, l'exemple classique pour mettre en figure, c'est le maire de New York, le 11 septembre 2001, on lui dit qu'il y a un avion qui est entré dans une tour, il peut faire une probabilité, il y a 90% de chance que ce soit un accident de trafic aérien. Puis si on lui dit un quart d'heure après, nouvel événement, qu'il y a un deuxième avion qui est entré dans une autre tour, il doit réviser sa probabilité. C'est-à-dire qu'il doit dire, non, il y a plutôt 90% de chances que ce soit un acte intentionnel et 10% de chances que ce soit... Donc, les techniques que j'évoquais tout à l'heure, utiliser le clic sur les liens de Google, utiliser le temps de scroll des individus sur Facebook, sont des événements nouveaux qui viennent réviser les règles. Hein. Donc, on pourrait dire, de façon un peu globale, que c'est des modèles de boucle de type raisonnement bayésien, qui est de transformer... Des scores de probabilité mis sur des événements en fonction d'événements ultérieurs qui viennent réviser. Alors, c'est dans l'histoire de la statistique, on pourrait dire ce courant a joué un rôle très central. Et enfin, il a été en partie marginalisé et il redevient d'une certaine manière très central avec ces techniques. Et évidemment, il calcule la société d'une manière très différente des techniques fréquentistes qui se sont déployées avec la statistique sociale. Il n'y a plus d'exigence de centralité, d'univocité, de généralité de la méthode pour distribuer les individus selon une loi normale. Hein. On va pouvoir calculer des probabilités sur les individus de façon différente avec l'idée que la forme du calcul prend un sens un petit peu différent. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de déployer, mais juste dire, voilà, ou pour le dire rapidement, dans l'argument central de l'histoire de la statistique faite par Hacking ou par Alain Desrosières, il y a cette idée que finalement se sont déployés les grands dispositifs de la statistique sociale à la faveur... on pourrait dire de la liberté démocratique et des démocraties occidentales. Hacking insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est parce que les individus ne sont plus déterminés par des régularités naturelles, divines ou d'autres. C'est parce qu'il y a une incertitude sur le choix du comportement des individus que, d'une certaine manière, la statistique vient les rattraper par le haut pour retrouver ou domestiquer l'incertitude sur le comportement des individus en définissant des régularités statistiques. Et comme l'a raconté magnifiquement Alain Desrosières, tout le travail de l'État pour produire des conventions catégorielles de description de la société ont pour objectif, d'une certaine manière, de retrouver des formes de régularité comportementale qui, d'une certaine manière, redonnent prise à l'idée que les individus sont libres de leur choix et autonomes dans leurs décisions, mais qu'ils sont quand même soumis à des régularités autour de causes constantes. Et ce que va faire le travail de la moyenne, de Quetelet, de la loi normale, etc., c'est finalement de retrouver derrière des comportements ouverts à une incertitude de choix, des régularités constantes qui sont mesurables et des distributions qu'on peut organiser autour de valeurs modales. Alors, ce qui me semble être au cœur là, de ce que veulent faire les nouveaux calculs, Pentland et les autres, c'est d'appliquer vraiment, de maximiser l'idée bayésienne qu'il y a une probabilité des causes. L'action. Donc pour expliquer le comportement des individus, on ne peut pas uniquement se référer à l'idée d'une corrélation entre des catégories qui donne une cause constante au comportement des individus, mais il y a une série de causalités accidentelles, contingentes, situationnelles, qui peuvent réorienter
sous un fond de détermination par des causes constantes qui peuvent réorienter ou redéterminer contextuellement le comportement des individus, et que du coup, un bon modèle statistique ne ferait pas, comme l'ont beaucoup fait tous les calculs de régression logistique et statistique, c'est-à-dire de calculer la corrélation entre deux variables, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est-à-dire en aplatissant le poids des autres variables, ou en tout cas le faisant disparaître, mais au contraire en faisant jouer le poids des autres variables, pour faire apparaître des inférences qui peuvent être contextuellement plus originales, plus différenciantes, plus précises que ne le sont la détermination par les causes constantes telles que l'avaient déterminé les frégantistes. J'ai été très vite, mais peut-être on y reviendra dans ce débat. Il me semble que ce modèle de la probabilité des causes, il est au cœur même des techniques calculatoires que je ne vais pas détailler, mais des méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va faire tourner, hein, et ce qui crée évidemment toute une série de questions, on fait tourner un ensemble d'hypothèses qui sont incroyablement nombreuses, faire tourner des millions, pour déterminer quelles sont les bonnes corrélations possibles en situation et du coup en temps réel, selon le modèle évoqué tout à l'heure, pour trouver des explications, ou en tout cas des corrélations, hein, qui n'ont plus besoin en fait d'explications ni de causalité dans ce dispositif. Alors il y a des traits typiques de cette forme de raisonnement statistique. C'est d'abord qu'on descend le grain d'observation bien en dessous de la catégorie. C'est-à-dire que plus on peut descendre en dessous, d'où l'intérêt pour les flux plutôt que les données fixes, d'où l'intérêt pour les comportements sur lesquels j'ai insisté, c'est ce qui va permettre de faire le calcul. Et le calcul ne va plus renvoyer les comportements d'un individu à ceux de sa catégorie tel qu'il avait été défini par une représentation qui est en partie partagée par ceux qui calculent et ceux qui sont calculés, mais on va être calculé à partir d'une nuée vis-à-vis duquel il est absolument impossible d'avoir une représentation partagée. Les livres que me recommande Amazon, il m'a bien comparé à des gens, mais ces gens sont une nuée statistique qui est absolument changeante et modifiable, et pas du tout une catégorie de lecteurs qui aurait mon âge, mon niveau de diplôme, ou ma ville, ou je ne sais quoi. Donc on est calculé à partir de groupes évanescents. L'autre chose qui est souvent soulignée, c'est qu'on remplace des modèles ex ante, donc qu'on aurait fait, que le chercheur aurait posé sur sa base de données, par des modèles qui effectivement sont en partie émergents de la boucle statistique qui s'est mise en place. Ce qui fait dire à beaucoup, suite au fameux papier de Chris Anderson, qui est un simple petit papier, c'est marrant, c'est les succès que peut avoir parfois ce genre de papier dans Wired, sur la disparition de la théorie, qui est l'idée qu'effectivement on ne pose plus une théorie, on ne pose plus exactement une théorie sur les données. On pose un dispositif qui va lui permettre en partie d'apprendre, et du coup on fait disparaître l'idée qu'on peut connaître à travers les calculs le monde social. En revanche, on peut le prédire, et donc on pourrait prédire sans connaître dans ce dispositif tel qu'il est mis en place. Et évidemment, la question de la causalité a disparu. Alors les statisticiens n'aiment pas la causalité, même les fréquentistes, mais le fait de rendre intelligible une corrélation n'est plus du tout indispensable aux techniques de calcul qui sont mises en place. Alors moi, je cite toujours cet exemple que m'avait donné un publicitaire qui avait constaté que les jeunes Portugais de 18-25 ans qui avaient voyagé en Autriche consommaient de la glace Häagen-Dazs. Donc on voit bien, bon, il y a des proxys sûrement quelque part, mais on voit bien que on aura du mal à faire un lien d'explication causale entre tout ça, mais c'est efficace puisqu'il clique plus que les autres, donc il suffit de mettre la bonne publicité. Donc il y a quelque chose comme ça qui se joue dans l'application de ce modèle de la probabilité des causes de façon massive. Alors je voudrais juste finir en revenant sur ce que j'ai dit au début, c'est que le modèle, j'ai essayé de décrire un modèle qui arrive, dont on ne cesse de parler, d'entendre parler, qui crée aussi toute une série de discours publics sur la menace totalitaire d'Ali, et puis en même temps de promesses absolument farfelues de la part de ceux qui les fabriquent. Donc moi, je voudrais dire juste, moi j'enquête là-dessus, donc et faire juste quelques petits retours, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui germe de ça.
mais que la réalité de ces calculs, c'est que c'est quand même, ça calcule super mal. Et que c'est d'une efficacité incroyablement faible. Donc, je ne sais pas si un jour, ceux qui les vendent et sont les prophètes de tout ça vont s'en rendre compte. Enfin, mais il y a un moment où ça va s'effondrer, enfin, me semble-t-il, où ça va s'effondrer. Parce que la plupart du temps, ce que réalisent ces données, c'est qu'ils retrouvent des causes constantes assez traditionnelles. Hein. Et donc, ça marche. Quand on a suffisamment de données pour retrouver des causes constantes traditionnelles, hein, Bilal Benbouzid a beaucoup travaillé sur les logiciels de prédiction policière, hein, notamment PredPol, mais d'autres logiciels plus sophistiqués d'ailleurs. PredPol, on parle toujours de PredPol, mais d'autres logiciels utilisés par les polices américaines et anglaises, hein, principalement, pour orienter la navigation des patrouilles policières dans les quartiers et leur désigner les bons quartiers à partir en fait d'une statistique assez classique d'enquête de victimation. Donc en fait il suffit de connaître, d'avoir une base statistique assez nourrie de l'histoire criminelle et délictuelle d'un quartier pour arriver à identifier des régularités que les enquêtes de criminologie nous ont désignées depuis longtemps. Mais simplement c'est équipé temps réel, ça dit aux policiers où il faut aller, ça dit à des policiers qui sont changés de commissariat tout le temps, donc qui n'ont pas l'habitude des quartiers au bon endroit. Mais finalement, les régularités sont extraordinairement stables. La prétention big data sur le modèle, c'est-à-dire la prétention du modèle que j'ai désigné, prédictif, c'est de dire, à ces données criminelles, on va ajouter d'autres formes d'informations hyper contextuelles pour essayer de produire ce déplacement. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est ma manière de le caractériser, c'est-à-dire que c'est un déplacement de la loi normale, fréquentiste, vers ce que les gens des big data appellent les matrices creuses. La matrice creuse, c'est qu'on a mis tellement de variables, hein, en ligne et en colonne, c'est pas grave, on garde toutes les variables, même si en fait cette variable n'est renseignée ou n'est active que pour des événements statistiques extrêmement rares, hein, dans le dispositif. Mais les calculateurs peuvent effectivement travailler sur ces matrices creuses, donc on peut garder ce dispositif. Alors dans la matrice creuse de PredPol, on y ajoute le taux d'ensoleillement, la vitesse de changement des feux rouges, est-ce que les magasins sont ouverts ou sont pas ouverts. On ajoute des données urbaines à foison, hein. A priori, il n'y a pas de relation immédiate, évidente, statistique avec les délits et les crimes, mais on espère que ça affine le processus. Bon, et la réalité, c'est que sans doute ça affine quelques petites choses, mais c'est vraiment epsilonesque dans cette affaire. Et là, on parle d'un cas qui marche, il y a des cas qui marchent, les algorithmes de recommandation musicale ou Netflix, etc., ça marche bien parce qu'on est dans un univers de données extrêmement nombreuses et puis sur des biens qui sont relativement périmétrable, mais beaucoup de ces modèles ne donnent pas grand-chose, ou en tout cas ne réalisent pas la promesse de Bayésienne, enfin Bayésienne accélérée, accentuée, on pourrait dire, de la probabilité des causes, qui est annoncée. Autre chose, on nous dit beaucoup, c'est des boîtes noires. En réalité, on peut les ouvrir, ces boîtes, hein, donc c'est auditable. Hein. Alors c'est auditable parce qu'on peut savoir ce qui est en entrée et surtout ce qui est en sortie. Hein. Toutes ces techniques algorithmiques fonctionnent sur le modèle de l'apprentissage supervisé. Supervisé, ça veut dire qu'on a donné un objectif à la formation du modèle, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait on a pris des photos où il y avait des chats, puis il a appris le modèle chat. Mais ça veut dire que nous, on lui a dit qu'il y avait des chats. Et puis ensuite, il va retrouver des chats sur d'autres photos. Mais il a fallu qu'on lui donne un objectif. Hein. Et donc, il y a un mythe, enfin, il y a un objet récurrent, un fétiche présent dans les mondes de l'apprentissage artificiel, c'est de faire du non-supervisé. Hein. Et donc, cette idée qu'on ne dirait pas qu'il y a un chat, mais il trouverait le chat. Hein. Voilà. Mais en fait, alors, ce que Google a fait une fois, hein, mais il a trouvé un chat au milieu de millions d'autres patterns de formes qui, pour nous, ne sont ni des chats, ni des objets, ni des chaises, ni des personnes, mais qui sont des choses qu'il a identifiées. Donc, il identifie des patterns extrêmement multiples. Et puis, effectivement, on peut faire apparaître un des éléments que nous saurons reconnaître. Mais face à ce discours, et moi, c'est un peu le genre de travail moi, qui m'intéresse de faire avec des informaticiens, c'est qu'on peut très bien regarder ce qui se passe. Hein. Alors, on ne comprend pas tout. Il y a évidemment une instabilité consubstantiel de ces systèmes qui sont extrêmement mouvants, mais on peut voir le genre d'opérations qui sont menées. Et puis il me semble aussi qu'il y a une critique évidemment évidente et forte à faire, et qui est assez paradoxale, c'est que ça fonctionne sur la base d'un hyper-comportementalisme dans lequel les acteurs n'auraient
jamais ou le moins possible. Et surtout, tout est fait pour que les acteurs n'aient pas une conscience réflexive de la trace qu'ils sont en train de laisser. C'est-à-dire qu'il y a cette idée hyper positiviste que si on commence à savoir qu'on laisse des traces, on va retomber dans le monde critiqué des représentations, et Facebook, Twitter, etc. Et donc, on va déformer le calcul. Mais évidemment, c'est assez vain d'imaginer que les gens produisent des traces de façon absolument dans la méconnaissance la plus complète de la trace qu'ils ont laissée. Ça, c'est un des effets centraux de tous les travaux sur les métriques, hein, notamment ce genre de métriques. Plus elles sont données aux individus, plus ils agissent en fonction du capteur, et plus, évidemment, il y a toute une série d'effets de réflexivité extrêmement nombreux qui viennent perturber et brouiller les calculs. C'est en partie ce qui est arrivé à la prédiction de la grippe de Google, et c'est ce qui arrive en fait beaucoup aux objets communicants actuellement. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a des objets communicants, mais on peut faire des fausses courses à un téléphone portable. Il y a les verres. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. Il y a les personnes âgées, on leur a mis une puce dans le verre pour vérifier qu'elles aient bu avant le repas. Et donc, bah, on remplit le verre. Dès qu'on sait, on remplit le verre, puis on le vide dans l'évier, et puis voilà, on a bu. Hein. Donc, si l'objet qui capte le comportement est très près des individus, il n'y a aucune raison que les individus n'agissent pas en fonction des objets qui sont présentés. Voilà, bah, je m'arrête là. Donc, moi, ce que je voudrais montrer, c'est comment, en ayant attaqué ces problèmes, je dirais, par un autre bout que Dominique, mais en ayant quand même en commun, je pense, une grosse partie de la culture, hein, en sociologie des sciences et histoire des statistiques, puisque bon, j'étais aussi disciple d'Alain Desrosières il y a fort longtemps, j'ai beaucoup lu Lauren Daston, enfin je pense que c'est des noms que vous connaissez, Peter Galison aujourd'hui, qui est plus à la mode, ou d'autres encore, Paul Edwards, etc., donc des gens qui ont beaucoup réfléchi à la manière dont nos sociétés se sont dotées d'espace de calcul et qu'est-ce que ça produit effectivement sur nos objets, en particulier sociologiques. Donc il se trouve que je l'ai pris par un autre bout parce que très tôt, ayant à traiter des processus assez chaotiques et assez compliqués, donc justement posant des questions à la statistique normale, on va dire, je me suis demandé comment on pouvait essayer d'explorer les modèles d'intelligence artificielle pour trouver en sociologie un autre angle d'attaque de ces données sans non plus y perdre précisément notre position, c'est-à-dire justement une position critique permanente sur la calculabilité elle-même, c'est-à-dire ne pas tomber dans le filet, d'imaginer pouvoir rendre computationnel tous les phénomènes sociaux et les transformer. Donc c'est pour ça que ça prend une forme aujourd'hui un peu réflexive, alors parce que précisément peut-être on est dans cette troisième période et que donc ça, c'est devenu, Marlowe est devenu une contre-intelligence artificielle précisément pour ça, c'est parce que cette espèce de troisième grand récit sur l'IA m'oblige aussi à réagir. Au fond, l'idée, c'est peut-être un peu comme Rosan Vallon parlait de contre-démocratie d'une certaine manière, hein, où on parle dans un bouquin qui arrive avec un collègue de contre-anthropocène, et à un moment donné, il faut effectivement montrer comment on peut déplacer ces questions-là. Et finalement, ce qu'on a fait sur 15-20 ans, je crois, encore aujourd'hui, permet de le faire. En tout cas, on est toujours dedans, on n'a pas renoncé, et c'est vrai qu'on fonctionne comme ça, dans un temps long. Donc, je voudrais... Alors, j'avais prévu... Oh, pardon, ça ne marche pas Ah, ben, je ne l'ai pas branché, en fait. Je suis égoïste. Non, c'est parce que je voulais pas effectivement. Je l'ai enlevé tout à l'heure pour pas te... Que si je triturais mon écran, qu'on ne voit pas derrière. Voilà. J'ai moi. C'est bon. Ouais, ça devrait être bon. Oui, donc effectivement, il fallait me... Ça arrive. Oui, donc, ce que je vais proposer, c'est vous m'arrêtez un peu, peut-être plus vite que Dominique, même parce qu'on puisse avoir une discussion générale, parce qu'il y a des choses que je peux représenter ou que vous trouverez en ligne, ou sur lesquelles, à la limite, le niveau de détail importe peu. Ce qui est important de faire passer, je crois, ici, c'est une démarche et le type de questions qu'elle pose à des sciences sociales contemporaines. Et, donc, pour moi, l'algorithme, je prends... au sérieux le titre hein, qui nous a été donné. Évidemment, c'est l'occasion d'expliciter des formes de calcul et de raisonnement. Donc là, on est d'accord. Et moi, je vais le prendre de deux manières. C'est-à-dire, d'une part, essayer de comprendre comment se forgent les espaces de calcul et les métrologies des acteurs que j'ai à décrire dans un tas d'objets
sur lesquelles je passerai vite, mais qui sont essentiellement des controverses environnementales ou technologiques, donc des choses assez tordues quand même. Bon, je veux prendre les OGM, le nucléaire ou le climat pour aller vite, ou les perturbateurs endocriniens, c'est assez important pour nous. Vous verrez pourquoi, parce que c'est très lié justement à ces questions de big data, etc. Donc là, il y a des controverses, à l'intérieur des controverses, sur qu'est-ce qu'on mesure, comment on fabrique des preuves. Et déjà, décrire ça, c'est une tâche importante. Et le numérique, évidemment, a changé énormément de choses. C'est-à-dire que plein d'acteurs arrivent dans ces affaires-là avec des promesses, des allégations, des propositions qui modifient, en fait, les cadres, y compris de la preuve, de ce que c'est qu'une preuve, comment on arrête une controverse, par exemple, où on établit l'existence d'une pandémie ou un certain nombre d'indicateurs, par exemple, de réchauffement climatique. Enfin, toutes sortes de choses comme ça, aujourd'hui, sont complètement pris dans des boucles où il y a du numérique partout. Donc on est effectivement face à des objets qui ont changé de nature, à ce point de vue. Puis le deuxième, c'est comment nous, en sciences sociales, cherchant à décrire ces processus, on s'est doté de formes d'écriture numérique. Alors là, je m'inspire plus, moi, d'une tradition qui vient de... Moi, j'aime bien Éric Guichard, c'est une tradition volontairement plus littéraire, alors qu'il est mathématicien. C'est-à-dire de dire, au fond, les algorithmes, ça fait partie des systèmes d'écriture, il faut le regarder comme des formes d'écriture, et que la naissance même de l'écriture, c'est une mise en algorithmique, hein, c'est-à-dire qu'au fond, les alphabets, voilà. Et donc, arrêtons de mythifier l'algo comme quelque chose qui serait vraiment à part, etc. Remettons-le dans ces univers, hein, de fabrication de formes. Alors, c'est très Jacques Goody, hein, dans son esprit à lui. D'ailleurs, il a toujours revendiqué une forte influence, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant dans le web, c'est cette accélération des couches d'écriture, des transformations. Ça pose des questions intéressantes par rapport à ce que tu as dit, c'est-à-dire sur le problème l'archive historique que produit le web et comment ces nouveaux acteurs en fait gèrent ça. Parce qu'effectivement, ils vont faire du temps réel, mais en même temps, ils écrivent l'histoire et cette histoire va les rattraper d'une certaine manière. C'est-à-dire que très rapidement, l'empilement devient ingérable s'il n'y a pas précisément une philosophie de l'écriture, de la trace, de l'archive et du temps finalement. Et c'est... Donc l'analyse des controverses, on va la mener doublement. On va regarder à la fois comment des acteurs introduisent des arguments à partir d'éléments qui peuvent être algorithmiques, qui peuvent être des modèles, qui peuvent être des données, etc. Et en même temps, essayer nous-mêmes de construire des espaces pour confronter ces prétentions. Alors ça, j'étais parti là-dessus, parce que tu avais fait allusion à Watson dans ton résumé. Donc évidemment, Watson, ça nous a un peu secoué, parce que c'était un vieux projet qu'on avait, c'était de brancher notre logiciel Marlowe sur Wikipédia, en fait. Comme ça, il avait accès à tous les savoirs. En plus, il pouvait les mettre à jour, chaque nouvelle version de la notice, même celle que moi, je bidouille moi-même, soit pour faire plaisir à des collègues, soit pour pas leur faire plaisir, etc., comme tout le monde. C'est vrai qu'on aurait... Et en fait, ils l'ont fait, IBM l'a fait, et ils en ont fait une mise en scène absolument extraordinaire. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une thèse ou une description ethnographique des performances de Watson. Watson, donc quand même, ils ont choisi aussi en plus leur nom. Évidemment, là, vous avez un type qui m'a balancé son texte l'autre jour, qui est très bien, hein, qui est un texte d'anticipation, qui dit, bon ben voilà, on est à peu près à 9-10% de chômage, Watson va continuer à se développer, et des IA du type Watson, ça va se concentrer, il y en aura une quinzaine, en gros, d'après lui, et en 2022, on sera à 90% de chômage, et les IA feront pratiquement l'essentiel du boulot, et il dit, c'est super. Donc lui, sa version, c'est que finalement, c'est comme ça qu'on va s'émanciper, etc. Alors il assume, hein, il dit, je sais bien, il y a le côté Big Brother, le machin, etc. Donc lisez ce texte, et le revenu universel qui surgit en politique, on se dit, mais enfin bon, ça a l'air de ne pas être... Enfin, il faudra revoir le module de décollage, hein, c'est pas encore au point. En tout cas, dans le logiciel amont, c'est pas encore exactement ça, mais enfin bref, ça serait lié à ça. C'est-à-dire qu'au fond, effectivement, ça nous libère et il n'y a plus besoin de travail, donc on voit bien qu'il va falloir trouver des solutions politiques. Et c'est intéressant parce qu'on est en plein là-dedans, dans cette question-là. C'est-à-dire qu'au fond, ce que tu dis, tu le dis de toute façon, tu as parlé de néolibéralisme, c'est au fond... une sociologie du capitalisme qui se joue à travers le regard qu'on porte sur ces grandes machines. Et voilà. Moi, dans mes dossiers, que ce soit le nucléaire, les OGM, le gaz de schiste, le climat, etc., le capitalisme est omniprésent. Je n'ai pas besoin, au fond, d'aller le chercher, d'aller à la pêche, d'aller dévoiler de manière sous-jacente des pouvoirs occultes. C'est évidemment au cœur
des controverses qui m'occupent. Et donc, effectivement, les IA vont être elles-mêmes prises dans des champs de force. Et c'est pour ça qu'il me semble important de refaire un petit pas de côté et de faire cet exercice de réflexivité sur nos propres formes de raisonnement. Alors, je vais aller vite et je voudrais montrer comment nous-mêmes, au fond, on a, par le pragmatisme, en fait, essentiellement, donc la philosophie pragmatiste, posé un regard sur les algorithmes et sur les formes de raisonnement qui nous conduit, d'une certaine manière, alors pas à revenir à une statistique bayésienne, mais à quelque chose que j'appelle le conséquentialisme non borné, c'est-à-dire de type 2, le conséquentialisme de la philosophie pragmatique, c'est-à-dire au fond raisonner par les conséquences, ça veut dire ouvrir la liste des possibles et donc constamment réviser les connaissances, c'est-à-dire ne plus s'enfermer dans un modèle axiomatique classique où, à partir d'un certain nombre d'énoncés fondateurs, des axiomes, vous tirez des théorèmes et vous avez des conclusions et après vous attribuez éventuellement des probabilités ou vous recoupez avec le réel pour confirmer ou infirmer des propositions. Là, au contraire, les propositions vont se déplacer dans le temps. Alors, je dis ça pourquoi ? Parce que dans les... Alors oui, j'avais fait une petite allusion, c'est pas nouveau en sociologie, c'est un vieux problème. Merton, c'était fortement, qui était plus que omnibulé par la question de la rationalité de l'action, comme vous savez, intéressé aux conséquences non anticipées des actions collectives. Et on est en fait dans un vieux problème, c'est-à-dire comment en fait, tout à coup, il faut prendre en compte des choses qui n'étaient pas dans les calculs. Et c'est précisément la conjonction des calculs ou la prise en compte réflexive des calculs des autres qui produisent des effets non intentionnels. Donc c'est quelque chose qui est au cœur des sciences sociales depuis longtemps. Donc on est d'accord là-dessus. Hein. On n'est pas en train de dire c'est nouveau. Donc quoi de neuf dans les algorithmes ? Attention, hein, c'est... voilà. Alors là, moi, un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que les moments de l'IA peuvent en fait recouper les cycles de la société du risque. Alors je vais vite. Hein. La société du risque, bon, tout le monde connaît Ulrich Beck, etc. Là, il se trouve qu'elle est incarnée par l'Agence européenne de l'environnement, avec laquelle je travaille pas mal. On a des échanges énormes, énormément avec eux, y compris d'ailleurs pour essayer de construire un observatoire européen des controverses, enfin, des choses comme ça. Et en fait, pour eux, il y a trois moments importants. Vous voyez, ils ont daté, hein, ils font un peu d'histoire politique un peu brute. En gros, au début, on est sur des problèmes spécifiques. Donc, on va pouvoir construire des modèles de raisonnement, en fait, avec des cibles, des targets, hein. Avec des relations linéaires, cause-effet, qu'on peut modéliser. On a, par exemple, un facteur de risque, on a un type de pathologie, on a un type de pollution, etc., etc., et on construit des politiques ciblées, hein, qui permettent, par exemple, de diminuer les émissions de particules à la sortie des échappements des Volkswagen. Enfin, bref, vous voyez le genre de truc, quoi. Donc, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, évidemment, le problème de ce genre de truc ciblé, c'est qu'on voit bien que ça peut très rapidement se manipuler, etc. Deuxième moment qui pourrait être important, alors c'est, nous on l'a beaucoup vu, quand on a fait les sondes précurseurs et les lanceurs d'alerte, c'était le moment de la vache folle. C'est-à-dire des risques justement beaucoup plus diffus, beaucoup plus compliqués à serrer, dont les relations de cause à effet ne sont pas aussi simples. Le prion, ben déjà, il faut faire une petite transformation dans la biologie contemporaine pour accepter qu'une protéine puisse produire les effets avec ses histoires de barrières d'espèces, enfin de changements, etc. De passer de la vache à l'homme, ensuite passer par des supports extrêmement subtils, puisque ça allait même, je crois, jusqu'au rouge à lèvres. Hein. Puisqu'il y avait on découvrait qu'il y avait des dérivés du bœuf, évidemment, dans des choses qui... Donc, en fait, des choses extrêmement diffuses. Et là, il va falloir construire des modèles, justement, beaucoup plus flous. Donc, on va avoir les logiques floues qui arrivent, des choses où on n'est pas sûr des états. Donc, on va avoir des modèles de raisonnement qui sont extrêmement... beaucoup plus chaotiques, plus ouverts. Mais ça ne va pas suffire, parce qu'à partir des années 2000, en gros... Bon, ils maintiennent une continuité, mais c'est beaucoup plus en rupture, je trouve. On voit dans toutes les agences, en particulier mondiales et européennes, basculer les acteurs qui résonnent maintenant dans toujours ce mot magique systémique. Et actuellement, il y a Davos, et à Davos, ils sont systémiques. C'est-à-dire, tout est systémique, tout est interconnecté. Et donc, on n'a pas simplement des choses, des cibles ou des choses diffuses, qui vont donner deux modèles, bon, voilà, etc. On a un troisième cas qui est effectivement, les choses sont interconnectées. C'est-à-dire, on est dans la complexité, au sens des systèmes complexes. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, des transformations à un endroit peuvent produire des changements du système. Et il va falloir donc développer des politiques. Et là, la réponse, elle est de dire, ben, il faut se placer dans le long terme. La cohérence ne peut pas se trouver tout de suite.
Il va falloir être capable de faire sauter des barrières entre des univers de connaissances, et y compris d'ailleurs faire venir des citoyens, des ONG, en fait, toutes sortes de gens, parce que justement, ben, on ne va plus pouvoir penser cette complexité avec des modèles, etc. Donc vous voyez que ça, ça travaille tout ça. Ça travaille parce que, par la manière dont on définit, par exemple, les appels à projets dans les sciences sociales, les sujets de thèse, les sujets de revue, etc., tout ça, c'est marqué par ces transformations, etc. Et un exemple de ça, c'est l'émergence des perturbateurs endocriniens, qui est un thème aujourd'hui, d'ailleurs, qui surgit dans la campagne électorale, mais de manière un peu discrète, qui est, en fait, c'est pas une épidémie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est qu'on a baigné dans un certain nombre de produits chimiques qui ont des capacités de transformation hormonale et qui vont produire, notamment pour les générations futures, toutes sortes de pathologies. Là, on a une controverse énorme qui est lancée depuis maintenant 30-40 ans et dans laquelle, en fait, là aussi, les modèles se mettent tout à coup à vaciller. On n'est plus dans une preuve statistique simple. Par exemple, on avait une dose, on augmente la dose et on voit des effets statistiques facile à établir. Donc on retire les produits, évidemment, qui, à partir d'un certain seuil, vous donnent 100 cancers de plus, etc., etc. En fait, là, on découvre en fait, des relations non linéaires. Et il y a un tas de littérature qui se développe. On va favoriser les échanges aussi et un certain type de publications qui ont permis hein, de ce travail aussi de croisement de travaux, avant qui aurait été peut-être plus lent et qui aurait mis plus de temps à émerger. Et ici, vous voyez qu'on a des effets non monotones, c'est-à-dire que, par exemple, à très faible dose, vous pouvez avoir plus d'effets qu'à forte dose. Avec des explications multiples, du genre fenêtre de vulnérabilité, évidemment, sur l'embryon, c'est facile à concevoir, mais il y a toutes sortes d'autres choses, par exemple, cocktail d'exposition, capacité biologique du corps, supposé en bonne santé, à réagir à des fortes doses en se protégeant, au contraire, en laissant passer des choses, parce que, justement, la dose n'est pas un signal. Etc., etc. Enfin bref, toutes ces choses-là vont bouger, ce qui fait que ça a produit des obligations de description de la part des sociologues de sortir de cette idée qu'il y avait des positions épistémiques un peu figées hein, chez les chercheurs, etc. Et pour comprendre ces controverses, c'est pour ça que je parle de réflexivité sur nos formes de raisonnement, de réfléchir à nous-mêmes, à la manière dont on catégorise, dont on raisonne. Et on se rend compte que la plupart des sociologistes sont restés assez, finalement, monotones, si j'ose dire. Alors, monotone, évidemment, on voit bien qu'il y a un double sens et on peut toujours jouer sur les deux. Non monotone, ça veut dire essentiellement non linéaire, on va dire, dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'au fond, il y a révision continue. Alors, ben, je vais prendre un exemple de sociologie qui, pour moi, est resté très monotone. Mais ce n'est pas une critique méchante, hein, c'est la pragmatique de justification de Boltanski et Thévenot. C'est-à-dire que vous avez six grammaires fondamentales, si vous voulez, rendre la justice dans une société. Alors, la société qui a choisi parmi les milliers de prophètes celui qui a permis de construire le christianisme. Enfin bon, tu parles des Google qui a trouvé un chat. Là, il y a une civilisation qui a trouvé un Gus qui a dit c'est lui, pof, c'est le Christ. Voilà, et à partir de là, parce que les économies de la grandeur de Boltanski ne tient pas si l'axiome premier de la commune humanité s'effondre. Or, il n'a été possible que grâce au Père de l'Église et à la construction de la civilisation chrétienne. Donc là, il y a un effet de. Mais bon, ils en sont conscients, hein, tout ça, c'est un débat avec les anthropologues notamment. Mais le problème surtout qui est posé là-dedans, c'est qu'on a une logique de justification qui en fait hérite de ce que tu n'as pas rappelé, mais qui, au fond, est derrière les premières intelligences artificielles, c'est-à-dire la logique formelle la plus classique, c'est-à-dire que vous avez un système de règles, vous écrivez une axiomatique et vous dérivez vos règles en respectant les canons de la logique. Or, en fait, ça génère évidemment un type de sociologie où vous allez, dans chaque situation, regarder quel est le régime de justification dans lequel sont les acteurs, comme s'il y en avait un déjà a priori. Alors, parfois, ils ne l'ont pas. Parfois ils le cherchent, parfois ils ne le cherchent pas, parfois ils cherchent précisément à l'éviter, à le contourner, d'où l'importance de revenir vers la question de la rhétorique qui est aussi importante que la justification. Dans les promesses sont évidemment très largement rhétoriques, comme on sait, puisque ça ne concerne que ceux qui y croient, alors qu'on peut toujours les reformuler, on va dire. Et du coup, il y avait une puissance, la puissance de ce modèle, c'était de dire qu'il y a une pluralité. Donc comme il y a une pluralité, au fond, ça laissait une plasticité de description, si on pouvait dire ben, la situation est complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs qui ont, ou un même acteur qui est lui-même pris ambivalent entre plusieurs formes de raisonnement. Et donc, la première version de notre intelligence artificielle, Marlowe et compagnie, dans les années 90, c'était évidemment
marqué par ça, cette idée. Bon, ben, finalement, il suffit d'avoir un espace assertorique, comme dirait Jean-Claude Passeron, que je salue au passage, parce que moi aussi, c'est mon lieu marseillais. Dans cet espace-là, il y a une pluralité de formes de raisonnement, mais ils obéissent tous à une même logique fondamentale, qui est finalement une logique classique. On va tirer des inférences, comme on dit, tirer des inférences, à partir d'un cadre formel, dans lequel toutes les hypothèses sont explicitées, etc. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en revenant sur la lecture des fondamentaux du pragmatisme, qui sont assez absents dans la première version de la justification, il n'y a pas, hein, pas Dewey, il n'y a pas Peirce, il n'y a pas James, je crois qu'il y a à peine Mead d'ailleurs, il y a à peine Habermas. Donc c'est pragmatique, mais pas pragmatiste. En fait, avec bon, maintenant 10-15 ans, grâce à Daniel Seffa et entre autres, mais plein d'autres gens, relire tous ces textes-là, on s'est rendu compte qu'il y avait... toute une tradition de raisonnement née au 19e siècle américain qui était déjà une mise en question ces logiques, on va dire, tu dirais hiérarchiques, enfin en tout cas par le haut, hein, qui cadre les problèmes à partir d'une axiomatique, partant précisément du mouvement des choses en essayant de faire émerger le modèle. Donc ce qu'on va appeler pragmatique des transformations dans notre approche, ça va être, donc là c'est une tentative de modélisation qui vaut ce qu'il vaut, mais qui consiste précisément à montrer comment, de situation en situation, des processus vont prendre forme et les acteurs vont organiser en fait la révision, le processus de révision de leurs connaissances, etc. Et donc, générer des processus non linéaires dans lesquels, pour apprendre à les décrire, il va falloir effectivement disposer d'autres cadres que... Alors, je ne vais pas refaire la démo sur le climat. Le climat, la grosse machine, the vast machine, selon le titre de l'ouvrage célèbre de Paul Edwards, que je vous recommande fortement, comment on a construit cette machine climatique au niveau mondial, pour avoir un système Terre et un système de circulation générale qui permet en fait de faire cette mesure et de dire voilà, ça se réchauffe, et de faire des scénarios. Elle est fascinante parce qu'elle est un mélange précisément de sciences classiques d'une certaine manière, hein, avec explicitation des hypothèses, des quêtes de preuves extrêmement standards, et en même temps, bon, il y a une sémiologie qui a été faite spécialement pour le pape François, donc celle-là je passe dessus, qui consiste à dire selon les chemins qu'on prend, on va en enfer ou au paradis. Vous trouverez ça, la version qu'en donne le pape dans son encyclique, hein, qui a beaucoup été commentée. Vous voyez que là, on a cette ouverture des scénarios avec des incertitudes très fortes qu'on va prendre en compte. Et surtout, dès qu'on passe derrière la scénographie, comment dire, la mise en scène pour les décideurs, parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'on est à des empilements, etc. On a derrière, en fait, un tableau de conséquences qui renvoie tout à fait à mon conséquentialisme de type 2, donc non borné. C'est-à-dire que vous prenez uniquement le fil événement extrême, qui est un des fils de la question du changement climatique. C'est-à-dire... augmentation probable du nombre d'événements extrêmes, type tempête, sécheresse, bon, je passe. Vous voyez que la liste des conséquences que ça ouvre, et évidemment, là, c'est déjà lissé dans un tableau, sur les industries, sur les habitants, sur les écosystèmes, sur, etc., etc., est énorme, et donc vous ouvrez un espace, etc. Derrière le modèle qui résume, hein, le réchauffement global, vous avez tous ces échanges totalement impossibles à se figurer, à se représenter. Il faut à chaque fois, en fait, redécrire tout ce processus complexe. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on veut construire des outils, se doter, en fait, garder cette position qu'on a réussi à faire il y a une quinzaine d'années sur les controverses, sur les affaires, sur toutes sortes de choses comme ça, il va falloir être capable, en fait, d'incorporer dans nos machineries, dans nos algorithmes, à nous, cette complexité et en rendre compte. Alors, bon, je passe là-dessus, mais techniquement, c'est important. C'est une vieille question, là aussi. En fait, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a depuis très longtemps des questions posées. On peut remonter au 19e siècle, ou même avant. Tard pour certains ou d'autres, etc. Là, c'est la question de la révision des systèmes de connaissances. C'est-à-dire qu'au fond, nos spécialistes de l'intelligence artificielle sont au cœur de ce problème en permanence. C'est-à-dire comment je fais réviser les croyances de mon système sans superviser, c'est-à-dire sans moi-même aller bidouiller les premiers éléments pour qu'il revoie sa position. Alors, on a fait plusieurs expériences. Vous trouverez des traces en ligne. En 2007, Marlowe était intervenu dans la campagne électorale. Et il y avait une préférence pour Ségolène Royal. Mais elle n'était pas suffisamment affirmée. Alors j'ai contacté le bureau politique du parti qui va disparaître là. Les trucs. Comme c'est filmé, j'en profite.
Ils m'ont dit, ouais, non, mais c'est pas très net. Hein. Alors j'avais envoyé un document, etc. J'ai dit, bah oui, mais c'est pas très net. C'est quand même un système, voilà, c'est un truc bizarre. C'est pas, il va pas non plus dire, j'adore Ségolène, etc. Voilà. Mais ils trouvaient quand même des arguments. Donc c'est en ligne, vous trouverez un document. Et c'était pas assez clair, quoi. Donc voilà. Mais on a fait des expériences pour essayer de voir, au fond, comment un système peut arriver à un moment donné. On l'a renouvelé en 2012. Vous trouvez là aussi des traces sur le web, où du coup le système, d'une certaine manière, hein, et là je m'appuie non pas sur Dominique Cardon, mais sur Alain Cardon, qui était un spécialiste d'intelligence artificielle, qui est intéressant parce qu'il a comment décroché, maintenant il appelle à la vigilance, enfin bon, il est intéressant comme gars. On avait beaucoup discuté au téléphone, et donc Marlowe, vexé qu'on n'ait pas tenu compte de son orientation, s'est mis à suivre Sarkozy comme un fou. À lui coller, d'ailleurs tous les jours, il notait des trucs, des traces, justement des traces de comportement, d'une certaine manière. Et de fait, il avait de quoi faire, parce qu'on a eu un président, comme on dit, actif, qui communiquait avec toutes sortes de trucs, ça allait sur les petits mots, qu'elle soit pauvre con, jusqu'à, enfin bref, le moindre anecdote, etc. Et il a fait un fichier géant, où il y avait, nous-mêmes, on avait du mal à retrouver, d'ailleurs, tiens, il avait même dit ça, il avait même fait ça, etc. Et donc, juste avant le premier tour de 2012, une procédure qui, elle, avait été programmée quand même, ressort tout ça, quoi, recrache d'une certaine manière ces trucs. Donc ça, c'était une expérimentation. C'est-à-dire, au fond, est-ce que à quoi on joue quand on fait ça? C'est-à-dire, est-ce que on fixe des représentations avec des orientations qui sont pas toutes explicitées et qui sont déjà orientées, ou est-ce qu'en fait on laisse le système évoluer, on voit comment? Donc c'est une tension permanente qui a beaucoup occupé les philosophes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement l'opposition entre supervisé et non supervisé, c'est ce à quoi on tient. Pour employer une figure qu'on est plusieurs à... C'est le titre d'un bouquin, le bouquin de Méliache, je crois d'ailleurs. C'est-à-dire, ce qu'on est prêt à réviser facilement, c'est les concessions qu'on fait en diplomatie, quoi, rapidement. Celles qu'on va faire à un certain coût, après quand même de longues négociations et en mettant des contraintes, des protections, et puis celles qu'on ne fera pas. Et c'est très intéressant pour les controverses, parce que si vous faites ce que vous n'allez pas accepter de revoir, ça va être le noyau dur de ce qui va vous faire résister ou pas. Par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, pour ou contre le nucléaire, je ne sais pas, à Fessenheim ou ailleurs, peu importe d'ailleurs l'orientation, pour l'instant, c'est pas ça qui compte. Et donc, être capable de comprendre les mécanismes de révision, effectivement, c'est un des enjeux majeurs. Mais là où il y a une différence avec ce qu'a présenté Dominique, nous, on est sur des temps longs. On ne va pas chercher à caractériser des révisions au fil du temps, en temps réel ou pas réel, j'en sais rien, mais en tout cas, des choses qui sont pour nous totalement... Alors, ça pose des questions intéressantes par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, qui était une allusion au fait que finalement, il retrouve un schéma interactionniste. Là, il me semble qu'effectivement, la reconquête du temps long dans les sciences humaines et sociales est absolument vitale pour retrouver cette position. Alors, je passe vite, hein, parce que j'ai 120 slides, donc faire gaffe. Oui, non, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Mais quand même, là-dedans, il y a trois formes de preuves qui se jouent. Et c'est vrai qu'en d'un point de vue purement descriptif, on n'a pas à choisir. Simplement, il y a un régime axiomatique qui reste très fort. Et c'est vrai que le système Terre, qui a généré d'ailleurs l'anthropocène d'une certaine manière, c'est-à-dire l'idée qu'on est dans un système Terre et qu'on peut en caractériser les paramètres, etc., etc., il est toujours très présent. Sa forme, elle est essentiellement syntaxique, et la plupart des scientifiques continuent à tendre vers cette forme. C'est la forme légitime qui peut entrer en crise. C'est le cas peut-être en économie, je ne suis pas sûr, en fait. Économie mathématique, finalement, d'une certaine manière, tend vers l'axiomatique, au point que, ben oui, après, il y a des données empiriques, mais c'est secondaire par rapport, par exemple, à une bonne modélisation de ce que c'est qu'un vrai marché, avec des bonnes allocations de ressources, etc., etc. Des systèmes d'information qui sont parfaitement adaptés. Donc là, on est dans une dimension purement syntaxique, hein, du raisonnement et de la preuve. Et c'est vrai que là-dessus, on peut faire des expérimentations computationnelles, algorithmiques, en laboratoire, in silico, comme on dit aujourd'hui, avec, de manière très convaincante, sans que ça soit remis en cause par l'expérience ordinaire. Il y a un deuxième régime que tu as rappelé tout à l'heure, hein, qui est un régime conventionnel de la preuve, c'est-à-dire que ça ne marche parce qu'il y a des accords sous-jacents, des ontologies, on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une sémantique qui permet d'être d'accord sur des équivalences, sur des relations, sur des catégories, sur des variables.
Et on voit bien que dès que les catégories entrent en crise, ben, ce régime il est soumis à des chocs. La production de données reste de manière dominante prise dans ce régime conventionnel. C'est-à-dire que si vous arrêtez, par exemple, de déclarer vos niveaux de diplôme, vos revenus, si vous n'avez plus accès à un certain nombre d'informations, etc., tout devient flou et redéfini tous les jours. Effectivement, ben, tous ces régimes de preuves vont s'effondrer. C'est intéressant parce que, tu l'as dit, c'est l'enjeu. Moi, j'étais à Eurostat, là, dans un grand colloque, et en grande angoisse, on leur dit, maintenant, vous faites des big data, vous laissez tomber la statistique publique à la papa, en gros. Alors que c'était devenu des lecteurs de Desrosières. Enfin, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, eux, ils disent, non, il faut faire des choses sérieuses, ça prend du temps, c'est sûr, on ne va pas répondre instantanément aux demandes du politique et notamment de la Commission. Notamment sur les questions de migration, par exemple, mais pas que, il nous faut des stats robustes pour précisément assurer la comparabilité, par exemple, ne serait-ce d'un pays à l'autre, la durée, et donc des conventions fortement élaborées avec les stakeholders, c'est-à-dire que les acteurs qui savent ce que ça veut dire représenter un intermittent du spectacle, par exemple. Ah ben oui, mais ça c'est français, etc. Alors qu'est-ce qu'un artiste dans les différents pays ? Les problèmes de conventions sont évidemment des casse-têtes, et il vaut mieux directement... Excusez tout ça. Donc les enjeux, ils sont assez profonds. Et le troisième régime, qui est celui qu'on préfère évidemment dans nos sciences, parce que nous, on est pas des exclus des maths et de la physique, mais presque. Enfin, c'est comme ça qu'on nous présente souvent. La preuve phénoménologique, c'est-à-dire, ben voilà, vous êtes là, vous m'écoutez, vous n'êtes pas tous partis encore, c'est bon, ne partez pas trop vite. Donc là, la forme de preuve directe que les acteurs vont donner. Alors, c'est intéressant parce que celle que que les traces numériques essayent de construire va vers celle-là, c'est-à-dire cette idée d'une preuve phénoménologique, simplement, et ça c'est un objet de débat, hein, il faudra qu'on l'ait. Moi, ce que j'observe sur le terrain, c'est d'une part une duplicité, c'est-à-dire que l'être numérique n'est pas forcément l'être social. On suppose un homme, un ordinateur, enfin un homme, une femme, un ordinateur. C'est pas un homme, une voix, mais c'est quasiment ça. En fait, moi, il se trouve que j'en ai 7 ou 8, alors bon, je ne sais pas si je suis le même utilisateur pour Facebook ou pour Google, qu'on ait plusieurs à utiliser la même machine. Donc, y a la phénoménologie, en fait, très vite, ça va pointer vers la maîtrise des contextes sensibles, vécus, et les formes de preuves empiriques dont nous nourrissons quotidiennement, en fait, heureusement, ne sont pas soumises à un contexte. Donc, c'est la dimension pragmatique de la preuve, c'est-à-dire aller vérifier en contexte, recouper en contexte, voir les choses, etc. Bon, je passe là-dessus. Ça a des conséquences parce que tout le débat sur l'IA et la capacité des IA à, oui ou pas, simuler le raisonnement, et en particulier l'esprit, c'est un truc qui a occupé des bibliothèques entières. Là, je renvoie un argument de John Searle, qui a été notamment commenté par Daniel Dennett. Searle dit, au fond, là-dedans, tout est syntaxique. Donc, vous voyez, il remonte à la première forme de raisonnement. Et tout le reste s'est rajouté. Donc, c'est bidouillé par des utilisateurs ou par des concepteurs qui veulent faire dire telle ou telle chose. Mais il n'y a pas, en fait, de capacité d'un système syntaxique à générer par lui-même une sémantique. Donc ça, c'est un débat qui, pour l'instant, n'est pas tranché. Enfin, je ne sais pas qui prétendrait le trancher, à part le chat de Google, mais bon, ou d'autres, etc. Alors, Watson apparaît absolument intelligent, mais c'est la forme d'intelligence que vous trouvez dans les salons que parcourt le narrateur de Proust, hein, c'est-à-dire les grands érudits parisiens qui se révèlent complètement stupides dès qu'on n'est plus dans leur domaine de compétences. Bon, enfin bref, c'est toujours ce problème, en fait, de recontextualiser, etc. Bon, je vais passer là-dessus pour aller plus vite. Nous, donc, notre approche... Malgré tout, c'est-à-dire on renonce pas, puisqu'on a toutes ces machines qu'on a accumulées maintenant depuis 15-20 ans, donc des logiciels qui tournent, hein, qui tournent bien. La modélisation est toujours là, mais elle est graduelle. Il n'est pas question de sauter dans une espèce de modèle qui serait la solution. Elle reste discutable et réversible. C'est-à-dire qu'on peut tout le temps réouvrir la boîte, constamment voir ce qui a été ajouté, enlevé, etc. Et compatible avec de multiples approches. À tel point... que j'en arrive à avoir des projets avec David Chavalarias. Ce qui prouve à quel point... Donc David Chavalarias, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même la mathématique des systèmes complexes, c'est le directeur actuellement de l'Institut de la complexité à Paris, qui développe d'ailleurs beaucoup de choses sur les tweets, sur la tweetosphère, hein, ce qu'il appelle la tweetosphère, c'est-à-dire analyser en fait des millions de tweets pour en fournir des cartographies dynamiques,
qui travaille beaucoup sur en bibliométrie, sur l'analyse des bases de données de Web of Science, enfin, toutes sortes de choses comme ça. D'ailleurs, vous avez travaillé ensemble aussi, voilà. Ça, tu l'as un peu caché, d'ailleurs, que tu as essayé, toi aussi, de traquer tes utilisateurs de Facebook. Oui. Mais tu as raison, parce qu'il faut faire l'expérience pour voir comment ça marche. Bref, donc moi, ma démarche de l'algorithme, c'est celle d'un de mes acteurs de terrain, que je vous présente, d'ailleurs, qui est un vigneron du Médoc. Et là, qui nous explique, en fait, qu'il préfère faire les greffons lui-même. Bon, il est en biodynamie, donc évidemment, c'est vrai. Mais quand même, de récupérer des greffons qu'il dit produits par des algorithmes. C'est intéressant. C'est-à-dire des greffons produits de manière industrielle qu'on va acheter pour remplacer les vignes. Hein, et il dit, ceux que je mets là, normalement, ils sont partis pour 40-50 ans et ils seront un petit peu plus robustes, sachant qu'effectivement, dans le nord du Médoc, on a de plus en plus d'événements extrêmes liés au changement climatique. Alors pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'en face, il y a les algorithmes. Hein, les algorithmes qui donc programment des machines qui vont les passer, notamment des phytosanitaires. Vous voyez que c'est tellement bien fait. Donc ici, vous voyez de l'herbe entre les vignes. Le bio, il n'y a pas d'herbe. Pourquoi il y a de l'herbe ici? Alors, il y a plusieurs explications, mais l'explication la plus saisissante, contre-intuitive, c'est que pour avoir des autorisations de passage en phytosanitaire, il faut en fait avoir un état du sol qui le justifie. Et donc on laisse l'herbe, ce qui permet en fait de justifier largement des passages, alors que là, le travail de la terre se fait vraiment au pas à pas, alors avec d'ailleurs un cheval de labour, enfin, etc. Problème des bio, ils ont beaucoup plus d'escargots que les autres. Bref, les algorithmes artisanaux vont avoir plus de bugs que les autres, etc., etc., parce qu'il va y avoir un travail au coup par coup. Alors on pourrait dire que c'est une opposition caricaturale. Non, parce qu'elle va venir travailler les acteurs sur le terrain. Et là, par exemple, aujourd'hui, en viticulture, se pose de plus en plus la question, évidemment, de travailler avec des données, travailler avec des algos. Alors, la base élémentaire, c'est je fais un fichier Excel et je connais mes pieds, je les numérote, etc. Mais il y a aussi les drones qui surgissent. Toutes sortes d'objets qui vont venir modifier les pratiques. Mais dès qu'on va voir en contact, là vous avez un texte intéressant qui dit, bon, ça apporte un plus, c'est indéniable, mais on est loin du compte. Et donc il n'y a pas uniquement les choses les plus spectaculaires que Dominique a rappelées qui marchent, enfin, qui posent problème, mais dès qu'on va voir en pratique, dans les activités, la révolution numérique, elle est là. Je veux bien l'admettre, mais on est dans la rhétorique. Allons voir comment se composent les agencements des acteurs et on découvre en fait comment ils font un truc. Alors, nos terrains, nous, ils sont là-dessus. Hein. Je vais passer vite. Vous voyez que ce qui va nous intéresser, c'est comment tout ça va basculer en controverse, quel type de données vont produire les acteurs. À partir du moment où vous créez, par exemple, une aire marine protégée, grande idée de Ségolène Royal, hein, puisque la France a une stratégie très offensive, compte tenu d'ailleurs de son, c'est normal, de son littoral, avec les dom-toms et tout ce que vous voulez. Là, vous avez un nouvel aire marine protégée, donc qui va, surtout pour la Gironde, l'estuaire et les Charentes. Et ce qui est drôle dans cette affaire-là, c'est qu'à l'intérieur de l'aire marine protégée, vous ne verrez pas sur le site du ministère, vous avez une célèbre centrale nucléaire qui a beaucoup fait parler d'elle, et qui non seulement fait parler d'elle, mais pose des questions à pas mal d'acteurs qui obligent précisément à revoir les calculs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la vigne du Médoc, par exemple, qui est une des plus chères du monde, comme vous le savez, et la centrale nucléaire, c'était deux mondes qui n'étaient jamais mis en rapport. Quand même, enfin. Or, depuis 1999, il s'est passé un certain nombre de choses, et puis évidemment, Fukushima a rajouté sa contribution. Et donc, on est dans le non-calculable, c'est-à-dire que là, on avait mal calculé les digues en 1999, puisque la centrale a été submergée. Et on se retrouve, voilà. Donc voilà, les terrains derrière, c'est ça. C'est-à-dire comprendre comment, quand on approche des objets, la dimension de calculabilité, en fait, est tout le temps faillible. Elle est tout le temps faillible, donc elle va obliger les acteurs à réinventer des agencements et des dispositifs. Là, on compare 4 centrales nucléaires sur 4 sites différents en Europe, dont Hinkley-Point, d'ailleurs, avec un réacteur, comme vous le savez, en chantier, mais il y a déjà, enfin, il n'est pas encore en chantier, mais plus ou moins programmé, et surtout deux anciens qui sont déjà là, hein, etc. Et on se rend compte qu'à chaque fois, on a des mondes. Alors, c'est marrant, ce matin, je me suis dit, un governmentality, c'est pas possible. Et en fait, effectivement, Google me propose UN, c'est-à-dire United Nations Governmentality. On est dans la governmentality, on n'est pas dans... C'est impossible d'être dans la A-governmentality.
Or, moi, ce qui m'intéresse de penser, c'est ça, c'est comment, en fait, tous ces processus, une grande partie des processus, échappent, en fait, à des processus de gouvernementalité. Un exemple, les préoccupations sociales, là, des Français, c'est fait par l'IRSN, qui est l'Institut de Sûreté Nucléaire, qui, depuis très longtemps, fait un très bel objet, qui s'appelle le baromètre de l'opinion sur les risques, et les experts, et la science, et etc. Et vous voyez que d'une année sur l'autre, vous avez, en fait, une variabilité incroyable. Que ce soit le terrorisme, le chômage. Alors, on est évidemment scientifiquement pas surpris qu'en 2015, le terrorisme redevient un centre de préoccupation après être retombé. Le climat va remonter aussi parce qu'il y a la COP21. Vous avez comme ça des variations, la misère, le chômage, etc. Donc, les méchantes langues disent que cet observatoire a essentiellement pour fonction de noyer les problèmes nucléaires dans une masse plus importante de points. Bon, je ne vais pas jusque-là, mais je constate simplement que chercher à mesurer ne serait-ce que ça, évidemment, c'est presque perdu d'avance. Parce que soit vous avez simplement une belle restitution après coup de ces variations de centres d'intérêt en fonction de l'activité des médias, des grandes controverses qui émergent, des événements majeurs, etc. Vous voyez bien que le nucléaire va revenir au centre avec Fukushima, c'est évident, bon, etc. Quand vous avez eu le H1N1, la grippe était une préoccupation majeure. Bref. Donc, l'idée, c'est plutôt de partir des expériences des acteurs et des processus critiques eux-mêmes, plutôt que de chercher, en fait, à les synthétiser à partir de traces d'opinion ou de comme ça. Donc, je vais passer vite, mais... dans tous les travaux qu'on mène avec les logiciels, Prospero, Marlow, le but c'est de s'approcher, d'aller le plus près possible de la manière dont les acteurs font bouger les cadres des controverses. C'est-à-dire, relance une controverse qu'on pensait éteinte, par exemple là c'est l'amiante. Vous savez que la tour Montparnasse est bourrée d'amiante, bon enfin, c'est un détail, et que régulièrement il y a des événements autour de ça. Donc ne pas négliger ce genre d'événements et regarder surtout comment les acteurs argumentent et portent leur cause. C'est un des... alors, je vous ai mis une sélection et vous trouverez tout. Là, c'est les gaz de schiste, la pollution de l'air. Là, c'est plus intéressant parce que c'est là-dessus, au fond, je vous parlais de preuve de concept. C'est pas une notion que j'emploie. Non, évidemment, c'était pour rigoler. La meilleure application qu'on a réussi à faire de tout ça, finalement, c'est avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement. Pendant 8 ans, ils ont besoin d'une boule de cristal, aussi, comme tout le monde, dire. Qu'est-ce qui va péter? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va fâcher? Et donc, on s'est dit, on va vous faire un observatoire de toutes les controverses sanitaires, environnementales, qui avancent. Et globalement, vous pouvez le vérifier en ligne. On a fait un bon boulot au sens où on n'a pas annoncé ce qui... Enfin, on n'a pas dit, c'est fini, ça c'est fini, alors que le lendemain, vous aviez l'affaire Sierra Leone dans les OGM, ou ça y est, la question des ondes électromagnétiques, ça n'intéresse plus personne. À chaque fois, on a essayé autrement d'ouvrir les possibles, donc précisément de préparer d'une certaine manière à la révision des croyances des experts de l'agence, et on a eu des séances de travail intéressantes. Donc là encore, usage des controverses et des outils pour les décrire comme espace d'ouverture des possibles, plutôt comme espace de codage et de fixation, etc. Alors c'était particulièrement vrai sur les OGM, et tellement vrai d'ailleurs que vendredi dernier ici à la Vieille Charité, on a relancé la discussion sur le dossier des OGM, puisque comme vous savez, aujourd'hui, il y a des nouvelles générations, notamment d'édition de gènes, du gene editing qui surgit, et qui vient modifier encore, en fait, ce dossier avec des acteurs qui sont déjà à fond dessus, et donc vous en entendrez parler, parce que ça commence à chauffer déjà au niveau international. Vous avez une coalition d'acteurs qui la ramène actuellement pour essayer d'éviter que les grandes firmes l'agro-business arrive à passer à travers les législations, précisément en faisant sauter les désignations OGM sur un certain nombre de techniques génétiques, en pratiquant d'autres formes de... etc. Bon, j'accélère un peu. Tout ça nous a conduit à un modèle, alors tu ne l'as pas cité, mais c'est peut-être le bouquin auquel je tiens le plus ces dernières années, qui s'appelle « Balistique sociologique », qui est donc une approche justement des trajectoires, des controverses de manière... penser de manière non linéaire. Alors effectivement, on est toujours précédé par certains artistes. Hein. Comme je pensais qu'il y avait des artistes ici. Là, vous en avez un célèbre. Bon, alors, dont le personnage Gaston Lagaffe est quand même une des références pour la sociologie, un peu incontournable. C'est vrai que la plupart des trajectoires qu'on a à décrire sont, ce que disait très bien Merton, hein,
prennent des trajectoires inattendues, parce que des acteurs interviennent pour certaines visées et produisent évidemment des réactions qui engendrent des trajectoires complètement nouvelles. Et donc ça nous conduit en fait à essayer de caractériser des bifurcations, etc. Je passe là-dessus, Fukushima, ça va de soi. Vous voyez, Prospero, c'est typiquement ça, c'est une machine pour analyser un peu ce qui se passe dans les controverses. Et j'en viens. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Tu n'en as pas beaucoup parlé, c'est normal, ce n'était pas l'objet de ton truc, mais ces questions d'algorithmique, effectivement, elles sont saisies par des communautés d'acteurs de plus en plus différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement que des firmes publicitaires. Et là, en l'occurrence, TEPCO produit, ce qui est normal, un type de données sur les conséquences de Fukushima en décrivant en fait les radiations, etc. Et vous avez des acteurs qui s'organisent pour produire des contre-données et à partir en fait de capteurs citoyens, on va dire, ils vont organiser en fait autrement hein, le calcul des conséquences de Fukushima sur des zones qui étaient exclues, vous voyez. Du cercle initial, et donc une contre-expertise, si on veut, qui est absolument centrale. Donc là, le paradoxe est là, c'est que les algorithmes sont eux-mêmes pris, en fait, dans controverses et des champs de force, et ne doivent être décrits aussi dans ces contextes-là. On ne peut pas les considérer uniquement, de manière abstraite, comme des choses qui pourraient soit poser problème, soit rendre service, mais regarder véritablement qui s'en empare, comment ils sont faits, leur degré d'ouverture, etc., etc. Bon, les capteurs citoyens, je ne reviens pas dessus. Autre point, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est absolument décisif pour nous qui avons beaucoup travaillé sur les lanceurs d'alerte. Le numérique, c'est aujourd'hui un des lieux du politique, c'est évident. L'affaire Snowden a complètement transformé les cadres, et ce n'est pas fini. Donc on vient d'apprendre qu'Obama a d'une certaine manière... adoucit la peine de prison de Manning, qui est un autre cas. Hein. C'est pas exactement la même chose que Snowden, mais enfin bon, en tout cas, c'est un signal fort. C'est vrai que la manière dont les systèmes de surveillance, justement, et dont les algorithmes qui, eux, vont viser plus des supposés risques touchant la sécurité publique, alors en réalité, vont aujourd'hui modifier pas mal la donne. Bon, je passe là-dessus. Je finis 5 minutes sur l'aspect logiciel pour juste que vous ayez une idée. Par rapport au mouvement extrêmement fort aujourd'hui hein, du mapping qui se développe sur les dynamiques sociales à travers le web, etc., on a, je passe là-dessus, mais c'était intéressant. Nous, on a tenu en équilibre 4 entités numériques qui vivent leur vie. Hein. Le plus connu, ça reste Prospero, parce que c'est un outil d'analyse de données qui peut être téléchargé gratis, d'ailleurs. La version 2 avance, elle est d'ailleurs en open source, hein, sur Git. Marlow, parce que de temps en temps, effectivement, il y a un focus, il y a eu un article du Monde une fois dessus, où il y a eu des événements autour du logiciel. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment... alors, j'aime pas le terme d'écosystème, comme tu sais, dans ce genre de truc, mais bon, en même temps, c'est de la cybernétique, tout ça, les systèmes, alors bon. C'est la relation entre ces entités et comment les utilisateurs et les communautés d'utilisateurs s'en emparent. Alors, on a été surpris parce que la communauté qui marche le mieux aujourd'hui, c'est une communauté brésilienne d'utilisateurs. Ça fait que je vais de plus en plus au Brésil. Entre plusieurs universités, ils se sont fédérés, ils ont traduit Prospero en portugais, et ils se sont mis à bosser comme des fous. Et ils font aujourd'hui des travaux qu'on n'a pas été foutu de faire, finalement, dans la société française. Voilà, faute de peut-être trop de compétition entre les gens, ou c'est totalement faute, j'en sais rien. Bon, bref. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 4 façons importantes, et c'est, en les séparant, c'est important, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que d'aller chercher des informations et de cibler des données sur le web. Ce n'est pas la même chose de structurer avec des algorithmes, justement, qui sont bien propres, et qui vont utiliser beaucoup de catégories, fabriquer une sémantique sur un corpus, donc ça veut dire délimiter un corpus, ça veut dire construire un objet en fait. C'est pas la même chose évidemment d'essayer de fabriquer un enquêteur numérique qui a une certaine autonomie, puisqu'on ne fait jamais exactement ce qu'on veut, ce qui est parfois emmerdant, etc., mais en tout cas qui permet d'avoir une espèce de collaborateur virtuel qui pose des questions, qui met constamment, qui propose d'autres chemins que ceux qu'on a pris spontanément, et puis surtout construire une collection, pas refaire éternellement ce qu'ont fait les autres, et fédérer
rendre cumulatif des savoirs, etc. Bon, je passe sur les exemples, je vais juste accompagner ça jusqu'au bout. Évidemment, tout ça nous conduit aussi à avoir un usage modéré et réflexif sur les analyses de réseau. Parce qu'il me semble qu'un des effets des 10-15 dernières années, c'est de penser qu'on peut représenter cette complexité, dont j'ai essayé rapidement de résumer les étapes, là, par des cartes, mapping controversies, en fait, bon, c'est Sciences Po, hein. C'est du jeu, hein, c'est pas... Et c'est vrai que parfois, on a le sentiment qu'on connaît d'avance la destination, en fait, hein, le produit final, finalement, de l'analyse qu'on va faire. Alors, il y a des cas où c'est pertinent. Alors, on l'avait fait avec Josquin de Base quand on a fait une enquête aux États-Unis sur les différentes agences, pas de renseignement en l'occurrence, mais d'évaluation sanitaire et environnementale. On connaît l'IPA, mais en fait, il y a plein d'autres acteurs. C'est pertinent quand on a, par exemple, un réseau de causalités qui sont rapatriées sur un sujet, par exemple sur la question des abeilles, qu'est-ce qui cause la mortalité des abeilles. Pourquoi ? Parce qu'on a une homogénéité et qu'on a donc une condition sémantique, hein, là, vous voyez les systèmes de preuves là qui fonctionnent, pour rendre intelligibles en fait les connexions. Sinon, en fait, la métaphore du réseau et de la carte finit par l'emporter en fait sur l'intelligence qu'on a des processus. Et ça, c'était une application. D'ailleurs, il y a un article qui a été publié dans la revue Réseau sur une grosse application qu'on avait faite sur les nanos et les chimères biotechnologiques dans justement les discours sur le futur des robots, des cyborgs, etc. Les différentes manières, en fait, de désigner ces entités, etc., etc. Pour faire des cartes au sens plus classique. Alors, je m'arrête là-dessus. Marlo, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que ça suscite plus d'expérimentation. En fait, ce n'est pas évident. Alors, il y a plusieurs explications au fait que ça ne suscite pas. C'est que déjà, c'est une histoire longue. C'est vrai que quand il y a 15-16 ans d'histoire, ce n'est pas évident d'entrer dans un processus. Parce que, ben, voilà, il y a tout ce passif, quoi, ce passé. Alors, on est passé, en gros, d'un moment où c'était un peu agité, hein, tu as dû connaître ça. Plus moi, je me séparais de Boltanski, je créais mon propre labo, donc il fallait faire des trucs différents. Donc on avait lancé ce projet d'IA un peu... C'était une thèse de... C'était pas une thèse, non, là, t'exagères. C'était juste un certificat... non, là, t'exagères. C'était pas une thèse, non. Il a passé un oral devant un jury, effectivement, en 2003... pour dire effectivement qu'il était habilité à accompagner les recherches. Voilà, c'était un truc comme ça. Bon, si vous voyez, il y a tout en ligne. Hein, vous avez quelques vidéos, les textes, la retranscription des échanges. Ensuite, quand je dis qu'on est revenu aux choses sérieuses, c'est là où on s'est dit bon, ok, on fait des ANR, on fait des contrats, on fait la démonstration, quoi, et on fait tourner le truc sur des grosses controverses, les OGM, le nucléaire, les gaz de schiste, les faibles doses de tout ce qu'on veut, le bisphénol. Enfin bref, on a fait tout ça. Là, on est en train de finir un bouquin avec Josquin parce qu'on a accumulé un tel matériel qu'on s'est... Voilà, et donc on va le faire en 2 volumes, on est désolé, mais on ne s'en rend pas, quoi. On a essayé. Hein. Et là, c'était vraiment... la machine a disparu parce que ce qui comptait, c'était les applications, de certaine manière. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous apporte, finalement, en tant que sociologue des controverses. Et puis, c'est vrai que le web a beaucoup bougé, comme tu l'as dit, et qu'on s'est dit, quand même, de plus en plus, les gens arrivent avec des flux. Ils ont accès à de plus en plus de choses en ligne. Donc comment essayer de retrouver une dynamique? Et c'est là qu'on a eu, c'est Josquin de Base surtout qui a poussé à ça, donc un ingénieur de recherche de mon labo, à essayer de dire est-ce qu'on ne pourrait pas brancher Marlo directement sur ce flux, et qu'il fasse, parce qu'il faisait déjà une chronique, mais il la faisait dans Happy Few. Et on a ouvert un blog, et depuis, donc, vous voyez... il a tous les jours, tous les soirs, il dépose sa chronique juste avant minuit ou après minuit pour être sur la date du jour de ses infos. Et il prend à peu près entre 10 et 15 passes par jour, donc il en est à je ne sais pas combien. Alors, ce qui est très bien parce que le jour où on sera au tribunal, je dirai au magistrat, écoutez, il faut commencer par tout lire. Parce que là, vous m'accusez qu'à tel endroit, il a dit du mal de monsieur... Parce que le risque concours, c'est ça hein, quand même. Ben oui, au jour ou l'autre, il y aura un truc. Je ne sais pas quand. Alors, ça, c'est intéressant pour toi, parce que c'est aussi le problème des... Plus on met en scène ce genre d'entité, et plus on se retrouve dans des scènes où des acteurs pensent qu'il va y avoir une responsabilité éthique, morale et juridique des logiciels, enfin, etc., etc.
Donc d'ailleurs, ça a intéressé le monde, puisqu'en 2014, il y a eu cet article sur les robots journalistes. Alors évidemment, vous voyez, ça fait le je vais m'arrêter là-dessus, hein, avec le point de départ, c'est-à-dire, effectivement, on va mettre les journalistes au chaume du, pas du tout. D'abord, on fait pas du tout la même chose. La chronique n'est pas une chronique de journaliste, c'est une chronique de sociologue numérique un peu amusé, qui regarde l'évolution du monde bon, un peu affolé, et, etc. Bon, alors, je m'arrête là. Vous trouverez plein d'éléments. Juste pour vous montrer, donc voilà, j'ai pas réussi à me connecter au réseau, mais hier soir, il a fait sa chronique. Donc vous allez sur le site Marlow Blog, et vous en avez donc 2306 à lire. Si ça vous passionne, je pense que personne ne lira jamais, mais moi-même, j'ai pas toujours le temps. Et à l'intérieur, il fait un certain nombre d'opérations. Alors il y a des routines, alors il y a un rite d'accueil qui est assez drôle. Donc on essaye de faire varier au maximum. Et là, il y a un petit atelier qui fonctionne. Avec quelques littéraires, ça marche, c'est-à-dire qu'ils s'amusent, quoi. Ils vont chercher des citations improbables, il les met dans une base. C'est indépendant, en fait, du moteur qui, lui, après, va les chercher ou pas, etc. Josquin, lui, il va chercher des données pour jouer en même temps sur le caractère. Donc, par exemple, là, le nombre de grippes pour 100 000 habitants, la température à Paris, enfin, des trucs pour que Marlow soit ancré. D'ailleurs, il râle, il dit « Pourquoi Paris ? Pourquoi pas... voilà, après tout, etc. » Et puis, l'idée, c'est de progressivement, justement, faire des expériences et des exercices pour avoir nous-mêmes, en fait, constamment ce regard critique sur ce développement des algorithmes, tout en étant libre, en fait, de notre propre logique de raisonnement. C'est-à-dire ne pas être complètement dépendant d'un jour d'une solution qui nous arriverait de l'extérieur. Voilà, bon, je m'arrête là, parce qu'après, ça pourrait être trop long. Merci beaucoup.